Levez vos mains ce soir et adorez-le. Ce soir pourrait être une nuit d'adoration. Retournons à Dieu la louange qui est due à son nom. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour toute la révélation qu'il nous a donnée. Is given to us an open door. Il nous a donné une porte ouverte. For the Holy Ghost to pour que le Saint-Esprit puisse se déverser. I see the Holy Ghost is here now. Je sens que le Saint-Esprit ce soir. An open portal. Et les portails sont ouverts. For the Holy Spirit. Pour le Saint-Esprit. Thank you, Father. Merci, Père. Father, we thank you tonight. Père, nous te disons merci ce soir. You, Jesus. Nous bénissons ton nom, for Jésus. Every soul. Pour toutes les âmes. That stands here, God, tonight. Se tiennent ici ce soir. May you pour down virtue. Oh, puisses-tu déverser la vertu. May you pour down virtue. Puisses-tu déverser la vertu. This hidden mystery caché in the Holy Ghost, dans le Saint-Esprit, and begin to form your people à ton into peuple, the word image, à l'image de la parole, so we can bring down the capstone, we can bring down the headstone, and these people here tonight, que ce soit ce peuple ici, in the people of God, le peuple de Dieu, that are predestinated qui sont prédestinés to be formed à être formé into that word image, à cette image parole, by virtue powerful service. Par la vertu puissance, oh, pour le thank service. You, Father, for tonight. Oh, merci, Père, pour ce will soir. You bless our meeting, Lord? Oh, bénis ces réunions, let the mighty angel descend. Que le puissant ange descende. Let the mighty God show for tonight. Que le puissant Dieu se dévoile in a special soir. Way. D'une manière puissante. We thank you, Father. Nous disons merci, Père. Let the worshippers arise. Oh, que les adorateurs let there be praise in the camp. Qu'il y ait des louanges dans le let camp. There be worship tonight. Qu'il y ait de l'adoration ce soir. King Lamb worship. Adoration à l'agneau roi. The book of life is back. Le livre de vie est de retour. The book of redemption is le back. Le livre de rédemption est de retour. We are here this season. Nous sommes dans cette saison. We have come a long way. Nous sommes venus très loin. We are almost there. Nous sommes proches. I believe this season. Je crois que dans cette saison. These few days. Pendant ces deux jours. God shall revive you. Le Saint-Esprit va vous réveiller. He will open your eyes. Il va ouvrir vos yeux. And you will see. Pour que vous puissiez voir. Just like John. Comme Jean. When his eyes open up. Quand ses yeux sont ouverts. When the seal broke. Quand les sceaux sont brisés. John saw. Jean a vu. The dimension dimensions of himself, de lui-même. John saw John. Jean a vu Jean. What a time to worship! Oh, quel temps pour adorer Dieu! Oh, hallelujah! Praise God, amen. Hallelujah! Gloire à Dieu! Well, God richly bless you, every coast. Que Dieu vous bénisse, Côte d'Ivoire. I'm so excited tonight. Oh, je suis tellement excité ce soir. Oh, glory to God! Hallelujah! Oh, gloire à Dieu, amen. I feel wonderful. Oh, je me sens merveilleusement bien. I feel great. Oh, je me sens bien. Let me see it tonight. Je vous asseoir ce soir. Oh, hallelujah! It's always good. C'est tellement bien, c'est toujours come bien. To Côte d'Ivoire. De venir en Côte d'Ivoire. There is something special. Il y a quelque chose de spécial. About Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. About this church. Au sujet de cette église. You are special people. Vous êtes des gens spéciaux. You are special brothers. Vous êtes des frères spéciaux. I believe God loves you. Je crois que Dieu vous aime. Maybe see that. Vous vous asseoir. It's always my pleasure. C'est toujours un plaisir pour moi. To come to Ivory Coast. De venir en Côte d'Ivoire. Why do I come here? Pourquoi est-ce que je viens ici? Why do I come here? Pourquoi est-ce que je viens ici?
Why is it that I never turned down the invitation to come here? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais refusé l'invitation de venir ici? Even when I'm so tired. Même quand je suis fatigué. Because when I come to Ivory Coast, parce que quand je viens en Côte d'Ivoire, I am revived. Je suis réveillé. I am filled. Je suis rempli. That's the purpose. C'est le but pour lequel. That's the reason. C'est la raison pour laquelle. Every time I come to Côte d'Ivoire, chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire, the anointing increases. L'onction grandit. There's something special. Il y a quelque chose de spécial. About Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. Let me see. Nous vous asseoir. I've always believed. J'ai toujours cru. That God has a crop somewhere. Que Dieu a une moisson quelque part. I've always believed. J'ai toujours cru. That God has 120 ripening crops somewhere. Que Dieu a 120 semences mûres quelque part. The apostle fought. L'apôtre a combattu. God, but the Branham brought a message. Parce que frère Branham a apporté un message. But he wasn't alive. Mais ce n'était pas encore vivant. To see the ripened seed pour voir les semences mûres of his message. De ce message. So he went to be with the Lord. Donc il est allé être avec le Seigneur. But he left a message. Mais il a laissé un message. A seed. Une semence. And that message. Et ce message. That seed. Cette semence. Was represented. Était représenté. A people. A représenté un peuple. Somewhere. Quelque part. By that time. Jusqu'à ce temps-là. You are not even born yet. Vous n'êtes même pas encore né. You were somewhere. Vous étiez quelque part. In your mother's, in your father's loins. Dans les reins de votre père. But God saw you. Mais Dieu vous a vu. He left you a message. Il vous a laissé un message. A seed. Une semence. To represent you. Vous représenter. Knowing that one day. Sachant qu'un jour. You will come into contact. Vous allez venir en contact. With your representation. Avec votre représentation. That representation. Cette représentation. Is your predestination. C'est votre prédestination. So we are here today. Nous sommes ici aujourd'hui. We have made contact. Nous avons fait contact. With our representation. Avec notre représentation. The word of the hour. La parole de l'heure. Nothing can shake you again. Rien ne peut vous séquer. Once you can see yourself in this message, dans ce message, nothing can move you. Rien ne peut vous bouger de là. You become like John. Vous devenez comme Jean. John saw John. Jean a vu Jean. John saw John. Jean a vu Jean. John in Ivory Coast. Jean Côte d'Ivoire. Saw John. A vu Jean. Under the seventh sea. Et sous le septième sceau. This is your season. C'est votre saison. Oh, may God bless you. Oh, praise que God. Dieu vous bénisse. Shall I bring you greetings? Donc, je vous apporte les salutations. From the little church back home. De la petite église là, la maison. And from my wife, Sister Sarah. Et de mon épouse Sarah. Since we left here the last convention. Depuis que nous avons quitté la dernière convention. We have been blessed. Nous avons été bénis. From the atmosphere, avec l'atmosphère, from the energy, avec l'énergie, that we took back home, que nous avons pris à la maison, and we are still living off of that energy. Et nous avons toujours cette énergie. So therefore, these are 3 days of revival donc, meeting. C'est 3 jours de réveil. I want to come tonight. Et je vais venir ce soir. To say a few things. Vous dire quelque chose, quelques mots. That you might know where we are at. Pour que vous puissiez savoir où est-ce que nous nous tenons. So tonight. Donc ce soir. Might be a little bit different. Ça pourrait être différent. You will shout and you jump. Vous allez crier et sauter. But tonight. Mais ce soir. You must listen carefully. Vous allez écouter très attentivement. What I want to say tonight. Parce que ce que je vais dire ce soir. Might look like it for ministers. Cela pourrait ressembler à une prédication de ministre. But it's not for ministers mais only. Mais ce n'est pas seulement pour les ministres. It's for you. C'est pour vous aussi. The ripened seed. La semence mûre. Let me see it. Pouvez-vous asseoir. Praise God, amen. Because these 3 days of revival, donc pendant ces 3 jours de réveil, 3 days we want to dedicate, donc ces 3 jours que nous voulons dédicacer, to the hidden mysteries, au mystère caché, and that has not been easy, et cela n'a pas été facile, to bring a people to the hidden mysteries, pour apporter des gens au mystère caché, and if you have a knowledge, si vous avez la connaissance, known in the message, de tout ce qui se passe dans le message, especially, spécialement. After 2011 and 2012, après 2011 et 2012, to 2024, jusqu'en 2024, a lot of things have happened. Plusieurs choses se sont passées. And so you need to know that. Donc vous devez savoir cela. So you know exactly where you are at. Pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous tenez exactement. That this is not the best time to play church. Et ce n'est pas maintenant le temps de jouer à l'église. And God made sure. Et Dieu va s'assurer. That before he will do anything, qu'avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, he will first have a witness. Nous devons premièrement avoir un témoin. He has never stopped doing that. Il n'a jamais cessé de faire ceci. If God intends to do something in this church, si Dieu a l'intention de faire quelque chose dans cette église, one thing he will first of all do, la première des choses qu'il fera, he will raise witnesses. Il va élever des témoins. So don't despise the testimony of witnesses. Donc ne retranchez pas le témoignage
des témoins. And that's why it is good. C'est la raison pour laquelle c'est bien that we keep track of bride history. Que nous puissions suivre l'histoire de l'épouse. And not just bride history. Pas juste l'histoire de l'épouse. But every local church. Mais toute église locale. Must keep history. Must keep history. Doit garder une histoire. Spiritual history. Une histoire spirituelle. Of our interactions with spirit beings. Avec notre interaction avec des êtres spirituels. Because that's your real history. Parce que c'est votre véritable histoire. When God begins to give you interactions. Quand Dieu commence à vous donner des interactions. Or encounters. Ou des rencontres. Or making contact. Ou vous rend capable d'être en contact. With spirit beings. Avec des êtres spirituels. If you hear that happening. Et si vous entendez que cela se produit. Then open your eyes. Maintenant ouvrez vos yeux. God is giving a witness. Dieu vous donne un témoin. That the blending que la fusion of the physical to the spiritual du physique et du spirituel has begun. A commencé. People are waiting. Les gens attendent. They think the change que la chose change will just happen few seconds. Ça peut arriver pendant juste pendant quelques secondes. Few seconds pendant quelques secondes would be the end. Ça sera la fin of what has been going on de ce qui s'est produit. Over a period of time. Pendant une période de temps. Just like you don't see the morning just instantly. C'est comme comme si vous ne voyez pas le matin de façon instantanée. The day and the night, they do what we call blending. Donc les jours et les nuits se mélangent, s'entremêlent. So the day doesn't just come like that. Donc le jour n'apparaît pas simplement comme cela. It blends in. Il fusionne avec. The blending may start maybe somewhere around 4 a.m. La fusion peut commencer quelque part vers 4 heures du matin. But it is blending in. Mais cela fusionne. And as the light blends, et pendant que la lumière fusionne, the darkness disappears, les ténèbres disparaissent. And by 5, 6 o'clock, et là, entre 5 et 6 7 heures, o'clock, 7 heures du matin, the place is bright. L'endroit est tout éclairé. It's been going on. Et ça continue. So there's a blending going on right donc, now. Il y a une fusion qui est en cours. Right, well, eh? I know what I'm telling you. Je sais ce que je vous dis. And so I want to wake up this hour. Et je veux que vous puissiez vous réveiller dans cette heure. Because that is what the revival is supposed to do. Parce que c'est ce que le réveil est censé faire. This revival. Ce réveil. Is not to excite you so much. Ce n'est pas pour juste vous exciter. But the revival. Mais le réveil. Is to quicken your mind. C'est pour vivifier votre esprit. To the supernatural. Au surnaturel. Because we are going back to the supernatural again. Parce que nous retournons au surnaturel à nouveau. And one day. Et un jour. Your body. Votre corps. That's what we are going to do now. Qui est en train de se passer ici. We have blended your soul. Nous sommes en train de fusionner votre âme. With the word of God so much. Avec la parole de Dieu tellement. That right now. Que maintenant même. There is nothing that God can say to you. Il y a rien que Dieu puisse vous dire. That you cannot believe. Que vous ne pouvez pas croire. Because your soul. Parce que votre âme. Has been restored back. A été restaurée. Your soul. Votre âme. Is being connected back to charity. A été connectée à la charité. By your message. Par un message. It takes charity. Cela prend la charité. To believe all things. Pour croire toutes choses. So when your soul blends. Donc quand votre âme fusionne. Because every day we add the word upon word upon word upon word upon word. Parole sur parole. Even some things we say to you. Même les choses que nous vous disons. Your mind can't understand them. Votre esprit ne peut pas le comprendre. But we put them into the soul. Mais nous les mettons à l'intérieur de l'âme. The soul believes. Et l'âme croit. Glory to God. Gloire à Dieu. So we thank God. Donc nous remercions Dieu. So I believe this season. Donc je crois que dans cette saison. The word of God. La parole de Dieu. Has been so preached. A été tellement prêchée. Yes, how things have been so said. Et des choses difficiles ont tellement été dites. Things that almost sound impossible. Des choses qui semblent même être impossibles. See, we are putting pressure on your soul. Mais nous avons mis une pression sur votre âme. Yes. It's like somebody trying to lift up the weight. C'est comme quelqu'un qui essaie de soulever un poids. Sometimes it's not easy. Souvent ce n'est pas facile. But you keep doing it. Mais vous continuez à le faire. The muscles. Et les muscles.
Your body, votre corps, begins to adjust. Commence à s'ajuster. Begins to blend. Il commence à fusionner. After a season, après une saison, you get used to it. Vous commencez à vous habituer à la chose. You can lift up the weight easy. Vous pouvez commencer à soulever le poids facilement. So right now, maintenant même, your soul, votre âme, you can take the word of God. Vous pouvez prendre la parole de Dieu. Your soul has been restored back. Votre âme a été restaurée. This was where God wanted it to be. C'est là où Dieu voulait que vous soyez. So God can tell you anything. Que Dieu puisse vous dire quoi que ce soit. Soul restored back. Il a restauré votre âme. When God speaks, you will never doubt. Quand Dieu parle, vous ne doutez pas. Yes. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? And if that has happened to you, et si cela vous est arrivé, you better thank God. Vous devriez remercier Dieu. Because you know why? Vous savez pourquoi? So that's the faith of the patriarch. Parce que c'est la foi des patriarches. Listen. Écoutez. Do you think it was easy? Est-ce que vous pensez que c'était facile? For Abraham. Pour Abraham. If God had told you, si Dieu vous avait dit, leave your kindred. Quitte ton pays. Leave your family. Ta famille. Go to a land I will show you. Va dans un pays que je te montrerai. Can you believe God for that? Est-ce que vous pourrez croire Dieu pour cela? After 25 years? Après 25 ans. So take your son. Et prends ton fils. Sacrifice him. Et sacrifie-le. Now listen. Maintenant, écoutez. To believe God like that, pour croire Dieu ainsi, that must take a restored soul. Cela doit prendre une âme restaurée. That's why God can only speak to few men. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut que parler à quelques hommes. Not all men can believe God like that. Parce que c'est pas tous les hommes qui peuvent croire Dieu comme cela. So we thank God for this season. Donc nous remercions Dieu pour cette saison. Look at the mysteries. Maintenant regardez les mystères. These mysteries are hard to believe. Ces mystères sont difficiles à croire. Hard mysteries. C'est des mystères difficiles. Meat. C'est la nourriture. La viande. C'est la viande. Strong meat. Solide. But you can take it. Mais vous pouvez le prendre. For your soul. Pour votre âme. For your spirit. Pour votre esprit. And for your body as well. Et pour votre corps aussi. That this body. Parce que ce corps. Shall be changed. Il sera changé. Yes, I believe. Oui, je le crois. Bien sûr. Vous asseoir. So if you are here tonight, nous sommes ici ce soir. You better thank God. Nous devons merci à Dieu. Just like David said, comme David a dit, He restored my il soul. A restauré mon âme. And I thank God tonight. Et je remercie Dieu ce soir. Brother John Conte, le frère Conte, my soul has been mon restored âme back. A été restaurée. Anything God said, tout ce que Dieu dit, I believe je it. Le crois. All the prophets said, tout ce que le prophète a dit, I believe je it. Le crois. All the apostles said, tout ce que l'apôtre a dit, I believe je it. Le crois. And now I am ready je suis prêt for faithful ministry. Pour le quartier ministère. My soul is restored. Mon âme a été restaurée. No doubt. Aucun doute. No question. Aucune question. Just amen. Juste amen. Coupitaba. Speak the word of God. Par la parole de Dieu. Soul restored back. Une âme restaurée. No more time for questions. Ce n'est plus le temps de questions. No more time for doubts. Ce n'est plus le temps de doutes. No more time for resentment. Ce n'est plus le temps de ressentiment. Time for faith. C'est le temps de la foi. Because God cannot lie. Parce que Dieu ne peut pas If mentir. God speaks the word. Si Dieu parle la parole, qui t'amène à cela? Qui t'amène à cela? Let somebody shout hallelujah. Quelqu'un dise alléluia. I'm happy tonight. Je suis heureux ce soir. Ah! I'm Pastor Willie. Pastor Eli. Ivy Coast. Côte d'Ivoire. You are here tonight? Ben, ici ce soir. Do you understand what I just said? Écoutez ce que j'en ai dit. Let me see that. Asseyez-vous. This is why I like Ivy Coast. La raison pour laquelle j'aime la Côte d'Ivoire. L'âme est restaurée. L'âme. Let me see that. Vous asseoir. Now what I just said is a whole message. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est tout un message entier. Let me see that. Vous asseoir. How many understand it? Combien d'entre vous le comprennent? Can I go on? Est-ce que je peux continuer?
But not for your soul. Ça c'est votre âme, c'est pour votre âme. What about your spirit? Qu'en est-il de votre esprit? Hein? Hein? Your spirit. Votre esprit. But the Coleman fought to bring back your original spirit. Frère Coleman a combattu pour ramener votre esprit originel. Because God didn't just give you a soul, a nature. Parce que Dieu ne t'a pas juste donné une âme, une nature. But he gave a spirit. Mais il a donné un esprit. That was supposed to be consistent and suitable for the soul. Qui était censé être consistant et approprié pour votre âme. So your mind, your which is your spirit. Donc votre pensée qui est votre esprit. Is supposed to be in constant agreement with your nature. Doit être en accord parfait avec votre âme. You see that now? Est-ce que vous comprenez cela? So he brought a revelation. Donc il a apporté une révélation. To restore back your original spirit. Pour restaurer votre esprit originel. Because Babam said your soul is the word. Parce que Père Babam dit que votre âme est la parole. So the only spirit. Donc le seul esprit. That can agree with the word all the qui time. Peuvent s'accorder avec la parole tout le temps. Has to be the Holy Spirit. Doit être le Saint-Esprit. No other spirit. Il y a pas d'autre esprit. That means the original spirit of the world is the Holy Spirit. Ça veut dire que l'esprit originel de la parole est le Saint-Esprit. And that was his message. Et c'était son message. The second one, the inspiration. L'inspiration des sept tonnerres. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And you believe it? Est-ce que vous le croyez? That's strong meat. Mais non, cela, c'est la nourriture solide. Correct? C'est correct. That's strong meat. C'est la nourriture solide. You see that, huh? Vous vous asseoir. Because you have a spirit as well. Parce que vous avez un esprit aussi. It's called a human spirit. C'est appelé un esprit humain. And then you have lived with the human spirit for years. Et vous avez vécu avec cet esprit pendant plusieurs années. And the human spirit has taught you its own ways. Et l'esprit même vous a enseigné ses propres façons de faire. But you see, et vous voyez, you've not been able to live out the attribute of your soul. Vous n'avez pas été capable de laisser l'attribut de votre âme. With the human spirit. Avec l'esprit humain. Because the human spirit sometimes doesn't agree with the soul. Parce que l'esprit humain souvent ne s'accorde pas avec l'âme. So in your soul, dans votre âme, you believe you are healed. Vous croyez que vous êtes guéri. Because the word of God said so. Parce que la parole de Dieu l'a dit. But your mind, mais votre pensée, votre esprit, will sometimes tell you, va souvent vous dire, well, it is true. Mais oui, c'est vrai. But are you sure it's mais for you? Est-ce que tu es sûr que cela t'appartient? That's the human spirit. Ça c'est l'esprit humain. Well, sometimes it agrees with the word. Maintenant souvent il s'accorde aussi avec la parole. But not all the time. Mais pas tout le temps. You bring forth some hidden mystery. Some hidden mystery. Je suis en train d'apporter des mystères cachés là. Your heart believes it. Vous devez le croire. But your mind. Mais votre esprit. Now you see. Maintenant vous voyez. We say the bride is Holy Spirit. Nous disons que l'épouse est le Saint-Esprit. We did not say you are the Holy Spirit. Nous n'avons pas dit que vous êtes le Saint-Esprit. We said you are Holy Spirit. Mais nous disons que vous êtes Saint-Esprit. Because you can't be the Word. Parce que you can't be the Word. Vous ne pouvez pas être la parole. Without being the Spirit. Sans être un esprit. But people are having issues with mais that. Les gens ont des problèmes avec ça. This is what the human spirit will do. Parce que c'est ce que l'esprit humain fera. They agree they are the word. Et ils s'accordent avec la parole. They agree with that. Ils s'accordent avec cela. But they don't agree they are the Holy Spirit. Mais ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'ils sont Saint-Esprit. But it doesn't make sense. Mais ça n'a pas de sens. If you deny your Holy Spirit, si vous reniez le fait que vous êtes le Saint-Esprit, then deny you're not the Word. Mais cela veut dire que vous reniez la parole. Because it's Word and Spirit. Parce que c'est parole et esprit. You can't separate them. Vous ne pouvez pas le séparer. So you cannot say you are the Word. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes la parole. The Word of God. La parole de Dieu. What spirit do you have? Et quel esprit avez-vous? But you see, mais vous voyez, when the humans Spirit comes in there. Quand l'esprit humain entre là, c'est Holy Spirit. Il dit le Saint-Esprit. That is blasphemy. Ça c'est un blasphème. How can you be Holy Spirit? Comment tu peux être le Saint-Esprit?
But how come you are the word? Mais comment se fait-il que tu sois aussi la parole? And in the beginning was the word. Au commencement était la parole. The word was with God. La parole était avec Dieu. The word was God. Et la parole était Dieu. So if you say you are the word, si vous dites que vous êtes la parole, you are saying you are God. Vous dites que vous êtes Dieu. But you believe it. Et vous le croyez. Do you believe that? Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Are you sure you believe it? Est-ce que vous le croyez? Well, John says the word is God. Maintenant, Jean a dit que la parole est Dieu. So if a man says he is the word, si un homme dit qu'il est la parole, you are saying that you are God. Vous dites que vous êtes Dieu. Wow. Wow. Well, of course we are God. Oui, en fait, nous sommes Dieu. Because we came from the word Parce of God. Nous venons de la parole de Dieu. But you see, when the human spirit comes there, vous voyez, quand l'esprit humain entre en scène, see, it begins to raise questions. Il va commencer à susciter des questions. But we thank God, mais nous remercions Dieu, amen, that the apostle fought, que l'apôtre de Dieu a combattu, to restore back your spirit, pour restaurer votre esprit, seven spirits, cet esprit. We can take it. Vous pouvez le prendre. I am the word for this day. Je suis la parole pour ce jour. But Abraham said, Frère Branham a dit, Moses, Moïse, was the word for his day. Était la parole de son jour. Elijah, Élie, was the word for his day. Était la parole de son jour. Isaiah, Esaïe, was the word for his day. Était la parole de son jour. They didn't just have the word. Ils n'avaient pas juste la parole. They had the word. Ils étaient la parole. For that day. Pour ce jour. This day. Ce jour. The Branham said, Frère Branham dit, I am the word. Je suis la parole. I am the voice of God. Je suis la voix de Dieu. To you. Pour vous. What about you, how? Qu'en est-il de vous? Tonight, ce soir, you must have faith. Vous devez avoir la foi. That for Ivory Coast, la Côte d'Ivoire, I am the word of God. Je suis la parole de Don't Dieu. Be ashamed to say it. N'ayez pas honte de le dire. When you talk like that, quand vous parlez ainsi, the demons will scatter. Les démons sont détruits. Because you know who you are. Vous savez qui vous êtes. Yes. We know where we are standing. Nous savons où nous tenons. We are not some funny people. Nous ne sommes pas des gens qui sont embrouillés. I know where I'm standing. Nous savons où nous tenons. I know where I'm coming from. Je sais d'où je viens. I know where I'm going. Je sais où je vais. I came from God. Je viens de Dieu. I know my commission je here. Je connais ma commission ici. I did not come here. Je ne suis pas venu ici. To be an African. Pour être un Africain. I'm not an African. Je ne suis pas un Africain. My skin, ma peau, is African. Est africaine. But my spirit, mais mon esprit, I came from heaven. Je praise viens God. Du ciel. Nobody can stop me. Rien ne peut m'arrêter. I know who I have, praise God. I know where I'm going to. I'm on my way to heaven. En route pour le ciel. Hallelujah. Let me see that. Vous asseoir. So you better think wisely. Vous devez penser de façon sage. Let me see that. Pouvez-vous asseoir. I can say these things here now. Je peux dire ces choses ici. Because people, parce que les gens, no longer have, ils n'ont plus, what the prophet called intelligence of faith. Ce que le prophète a appelé l'intelligence de la foi. There's faith. Il y a la foi. But there's intelligence of faith. Il y a une intelligence de la foi. There is no intelligence of faith. There's no intelligence. Il y a pas d'intelligence. To say I am the word. De dire que je suis la parole. But I'm not Holy Spirit. Et que tu n'es pas Saint-Esprit. You can only say that. Vous ne pouvez le dire. To somebody. À quelqu'un. Whose mind. Dont la pensée. Is not mature in understanding. Est assez mûre en entendement. Will you see that? Pour vous asseoir. So the apostle fought. Donc l'apôtre a combattu. Well, we thank God. Maintenant, nous remercions Dieu. He was able to catch some few people. Il a été capable de pouvoir obtenir quelques personnes. I am one of them. Et je suis l'un d'entre eux. My spirit is restored back. Mon esprit est restauré. My mind, ma pensée, is restored back. Est restaurée aussi. I'm not a fool. Et je ne suis pas un fou. I know who I am. Je sais qui je suis.
The apostolic ministry, le ministère apostolique, took away my amnesia. Il a enlevé mon amnésie. I know who I am. Je sais qui je suis. I can remember very well. Je peux maintenant me rappeler. I have a theophany. Que j'ai une théophanie. I have seven spirits. J'ai sept esprits. I am intelligent. Je suis intelligent. I know where I'm standing. Je sais où je me tiens. That's why demons are afraid of me. C'est la raison pour laquelle les démons ont peur de moi. They know who I am. Parce qu'ils savent qui je suis. No demon can talk to me. Aucun démon ne peut me parler. Even Satan cannot talk to me. Satan ne peut pas me parler. Because Elohim's intelligent. Que l'intelligence d'Elohim, capstone, la pierre de fête, upon the apostle, sur l'apôtre, upon the apostolic, sur l'apostolique, is here tonight, est ici ce soir, intelligence, l'intelligence, you cannot be deceived, vous ne pouvez pas être séduit. You are too big to be deceived, vous êtes trop gros pour être séduit. My God, but there is still one more element, mais il y a toujours un élément, the body, le corps. That was to be the message. C'est la raison pour laquelle nous devons porter le message. For the fivefold ministry. Du Kenchi ministère. Your body is also intelligent, man. Votre corps est aussi intelligent. Your body has five senses. Votre corps a cinq sens. So it's now time. Donc maintenant c'est le temps. Begin to tell your body. Commencez à dire à votre corps. Because all the things your body has heard are just lies. Parce que tout ce que votre corps a entendu depuis ces années sont des mensonges. Here you see. Vous écoutez, vous voyez. But now this season. Maintenant dans cette saison. Your body. Votre corps. Will start hearing. Va commencer à entendre. And when your body begins to hear, et quand votre corps commence à entendre, its message, son message à lui, because your body has a message, parce que votre corps a un message, just like your soul, comme votre âme, like your spirit, votre esprit. When I speak to your soul, quand je parle à votre âme, your mind doesn't understand, votre esprit ne le comprend pas. But in your soul, mais dans votre âme, your soul is saying, "Coupe." Votre âme dit, "Coupe une dame." Coupe une dame. But this is now time. Maintenant c'est le temps. For your body, pour votre corps, to be connected now. Être connecté maintenant. Because nature is waiting for you. Parce que la nature vous attend. So begin to tell your body. Donc commencez à dire votre corps. That body, corps, this is your season. C'est ta saison. This is your time. C'est ton temps. This is no time to be sick. Ce n'est plus temps d'être malade. This is no time to say I have malaria. Ce n'est plus temps de dire que j'ai le palu. This is no time to say I have typhoid. Ce n'est plus temps de dire que j'ai la typhoïde. This is no time to say ce n'est plus le temps de dire I have cancer. J'ai le cancer. This is no time. Ce n'est plus le temps. Because your body, parce que votre corps, is going back to immortality. Retourne à l'immortalité. Your body, votre corps, is going back. Retourne to the resurrection. À la résurrection. We shall not die. Nous ne mourrons pas. Tell your body that. Dites à ton corps cela. Say my body, mon corps. You Satan, toi Satan. You can hold my body. Tu peux retenir mon corps. I'm going home. Je retourne à la maison. I'm going home. Je retourne à la maison. I'm not leaving. Je ne vais pas partir. My body behind. Mon corps laissé derrière. My soul, mon âme. My spirit, mon esprit. And my body, et mon corps. I'm going with all three. Bon, les trois. Alléluia. Don't you see I'm getting young? Est-ce que vous ne voyez pas que je deviens jeune? Because every morning, chaque matin, I tell my body, je dis à mon corps, you body, toi corps, you are going home. Tu retournes à la maison. You are immortal. Je suis immortel. I cannot die. Je ne peux pas mourir. No sickness can kill aucune me. Aucune maladie ne peut me no tuer. Cancer, aucun cancer. No diabetes. Aucun diabète. And in this meeting, et dans ces réunions, le Saint Esprit will restore back your body. Restaurer votre corps. Cancer, le cancer will disappear. Va disparaître. As we speak the word of God, nous parlons la parole de this Dieu. This can be your season. Cela peut être votre saison. Glory to God. Hallelujah. 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 Now listen close. Vous écoutez très bien. I don't be preaching yet. Je n'ai pas commencé à prêcher. Oh my God. Do you believe that? Est-ce que vous croyez cela? Now listen close. Maintenant écoutez très bien. So we left here. Donc vous allez quitter ici. That God gave us a promise. Que Dieu nous a donné une promesse. And by the brand I'm anointed the promise. Et comme madame a oint les promesses. From Abraham. Depuis Abraham. The royal seed of Abraham. La semence royale d'Abraham. I introduce forgiveness of sins and divine healing. J'ai introduit le pardon des péchés et la guérison. Few months ago in church. De quelques mois en arrière à l'église. Because I'm trying to bring the body back to immortality. Parce que j'essaie de ramener le corps à l'immortalité. And in the evening service, et pendant une réunion du soir,
God give us a direct miracle. Dieu nous a donné un miracle direct. From an elder sister in church. Pour une sœur âgée dans l'église. The message finished. Quand le message est terminé. Instant healing. Elle a reçu la guérison instantanément. So we have found another coin. Donc nous avons trouvé une autre pièce. Because your body. Parce que votre corps. Does not want to be sick. Ne veut pas être malade. As I'm talking right now. Pendant que je parle maintenant. Your body is beginning to shout. Votre corps commence à crier. So if you come this evening. Si vous venez ce soir. Oh, I'm not well. Oh, je me sens pas bien. Oh, I'm sick. Je me sens malade. Stop talking like that. Arrête de parler ainsi. Your body is not happy. Votre corps n'est pas content. Don't use your body. N'utilise pas ton corps. To bring judgment to your body. Pour apporter le jugement sur ton corps. Tell your body now. Dis à ton corps maintenant. Change your language. Change ton langage. Let the sick say I'm healed. Que les malades disent je suis guéri. Because this is the time. Parce que c'est le temps. For the redemption. Pour la rédemption. Of your body. De votre corps. We are going back. Nous retournons. To immortality. À l'immortalité. So every course. Côte d'Ivoire. This weekend. Ce weekend. We are going to activate. Nous allons activer. Activate. Activer. The power. La puissance. In your body. De votre corps. To be healed. Pour être guéri. No more sickness. Plus de maladies. No more diabetes. Plus de diabète. No more cancer. Plus de cancer. I'm free. Je suis libre. I'm free. Libre. I'm free. Libre. This weekend. Ce weekend. That's your message. Message. If you believe that, si vous le croyez, then shout hallelujah. Hallelujah. Lord. Do you believe in that? Est-ce que vous le croyez? Wonderful. So therefore, just to introduce the message tonight. Juste pour introduire les réunions ce soir. Because I'm trying to open up the ministry for the body. Parce que je vais maintenant ouvrir le ministère pour le corps. People are dying in the message. Les gens sont en train de mourir dans le message. Cancer, le cancer. Well, somebody should stop it. Maintenant, quelqu'un doit l'arrêter. But the Branham said. Le Branham dit. We must try. Nous devons lutter. To be placed positionally. Pour être placé positionnellement. Before those plagues strike. Avant que ces plaies ne frappent. So God must raise some men. Donc Dieu doit élever des hommes. Who can stop cancer? Qui peuvent stopper le cancer? Just like Brother Branham. Comme Frère Branham. In his day. Dans ses jours. How love, mercy, praise God. Hallelujah. In the days of the prophet. Au jour du prophète. Hallelujah. Hallelujah. If you can be sincere. Si vous pouvez être sincère. And make people to believe you. Et que tu peux emmener les gens à te not croire. Even cancer will même stand le cancer you. Ne pourra pas te résister. The power of divine healing. Et la puissance de la guérison divine. Nous sommes de retour. Third pole. Le troisième pour. Third phase. Troisième phase. But you need the first pole. Vous avez to vindicate. Pour confirmer. The third pole. Le troisième pour. You need the first phase. Vous avez la première phase. To vindicate. Pour confirmer. The third phase. La troisième phase. And the first. Aye. Okay, come on now, come on now, come on now. I'm happy tonight. C'est heureux ce soir. Hosanna! Can you believe it? Est-ce que vous pouvez le croire? Now listen. Maintenant écoutez. I'm standing here tonight. Je me tiens ici ce soir. This message. Ce message. That you bring tonight. Que je vais apporter ce soir. Must make your body vibrate. Va commencer à faire vibrer votre corps. With such frequency. Avec une telle fréquence. You can go back home here. Que vous que ce soit possible que vous allez à la maison malade. All those long-standing sicknesses. Toutes ces maladies depuis longtemps que vous avez. You want to die? Do you want to die? Do you want to die? Est-ce que vous voulez mourir? You don't want to die? Vous ne voulez pas mourir? Do you have that faith? Vous avez cette foi? That you cannot die? Que vous ne pouvez pas mourir? I shall not die. Je ne mourrai pas. But I shall live to declare. Je vivrai pour déclarer. You have that faith? Est-ce que vous avez cette foi? You have that faith? Cette foi? You have that faith? Cette foi? You have that faith? Est-ce que vous avez cette foi? If you have that faith, si vous avez cette foi, then tonight, donc ce soir, say Lord, dites Seigneur, give me a token for good. Donne-moi un signe pour de bon.
All right. Très bien. Now take your Bible. Maintenant prenez votre Bible. This is just an introduction. C'est juste une introduction. I won't stay long. Je n'ai pas le temps d'être. Because I have five services to go. Parce que j'ai cinq réunions. So I'll read tonight two passages of scriptures. Donc je vais lire ce soir deux passages des Écritures. I might bring back this message maybe on my last service. Et je vais peut-être ramener ce message à mon dernier service. Amen. For divine healing. Pour la guérison divine. Amen. 2 Corinthians 5:21. 1 Corinthiens 5. And 1 Peter 2:24. Et 1 Pierre 2. 2 Corinthians 5:21. 1 Corinthiens 5. Verse 21. Yeah, good. I'm not in French. Yeah. He said, "For he hath made him to be sin for us." Have you been able to say? No. Okay. Take your time. Second Corinthians. Okay. Second Corinthians. Okay. Yes. Chapter 5. De Corinthiens plutôt. And verse 21. Chapitre 5, verset 21. For he hath made him to be sin for us. Celui qui n'a point connu le péché. Who knew no sin. Celui qui n'a point connu le péché. That we might be made the righteousness of God in him. Il a fait devenir péché pour nous. 1 Peter 2:24. Nous puissions devenir en lui justice de Dieu. He said, who his own self. 1 Peter 2:24. 1 Pierre 2, 24. 1 Peter 2:24. Yeah. Who his own self. Lui qui a porté lui-même. All right. Okay. Bear our sins in his own body on the tree. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. So Jesus actually bear our sins in donc, his own body. Jésus-Christ a porté nos péchés sur son corps. That we being dead to sins. Afin que mort au péché, should live unto righteousness. Nous vivons pour la justice. By whose stripes you were healed. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéri. Maybe see that. Pouvez-vous asseoir. So I want to bring actually healing. Donc, je vais apporter la guérison. And forgiveness of sin. Et le pardon des péchés. On this third step. Sur cette troisième étape. Now, this is a hidden mystery. Donc ça c'est un mystère caché. Right. Oui. As I told you. Comme je vous ai dit. I'll be saying some things tonight. Je vais dire certaines choses ce soir. So even when you will think you know the scripture. Donc même quand vous allez penser que vous connaissez l'écriture. But there's a hidden mystery behind every scripture. Il y a un mystère caché derrière chaque écriture. And that's the power we have. Et ça c'est la puissance que nous avons. The Pentecostal can take this scripture and read it. Les pentecôtistes peuvent prendre l'écriture et la lire. But a seventh wonder man take the same scripture. Mais quand un homme de sept honneurs prend la même écriture. And he speaks to that scripture. Et il parle depuis cette écriture. From the seven sealed book from heaven. Depuis les sept sceaux depuis le ciel. Now healing and forgiveness of sin. Maintenant la guérison et le pardon des péchés. I know these are two elements. Je sais que ces deux éléments. That we have taken very lightly. Que nous avons pris de façon un peu légère. And these are two key elements that are very important. Ce sont deux éléments clés qui sont très importants. Healing. La guérison. And the forgiveness of sin. Et le pardon des péchés. These two has always gone side by side. Ces deux sont toujours allés ensemble. In the New Testament, et dans le Nouveau Testament, all those that Jesus Christ healed, tout ce que Jésus-Christ a guéri, they will take a word with them. Et ils ont pris une parole avec eux. After he heals them, après qu'il les ait guéris, he will say, "Thy sins are forgiven." Il leur a dit, "Vos péchés vous sont pardonnés." Because it was sin, parce que c'était le péché, that brought about sickness, qui a porté la maladie. Now, maintenant. Tonight, ce soir, we'll understand nous allons comprendre the importance of forgiveness of sin and healing. L'importance du pardon des péchés et la guérison. For the redeemed body. Pour le corps racheté. The redeemed body. Le corps racheté is our next phase. Est notre étape suivante. Because the redeemed body. Parce que le corps racheté is actually immortal. Est en réalité immortel. Now what you have now is mortal body. Maintenant, ce que vous avez maintenant, c'est un corps mortel. So your mortality. Donc votre mortalité. The UN can give you a mortality rate. Et les Nations Unies peuvent vous donner un taux de mortalité. The UN can give. The UN has indices. Donc les Nations Unies, ils ont des statistiques. For mortality. De la mortalité.
The man that carries the oldest body, l'homme qui a le plus vieux corps, after the fall, après la chute, was Methuselah. Était Methuselah. Methuselah's body, le corps de Methuselah, lived, a vécu, for 969 years. 969 années. That was how long his body lived. C'était aussi long que son corps pouvait vivre. So it was only few more years. Donc c'était juste quelques années, for his body, pour son corps. To hit 1,000 years. Pour atteindre les 1,000 ans. And 1,000 years. Et 1,000 ans. Is the millennium. C'est le millénaire. Now, if Methuselah, si Methuselah, had lived in his body for 1,000 years. Avait vécu dans son corps pendant 1,000 ans. That means if the human body, ça veut dire que le corps humain, after the fall, après la chute, could have lived for 1,000 years. Aurait pu vivre pendant 1,000 ans. Then Methuselah, donc Methuselah, could have lived out the rest. Aurait été could have lived out the rest. Okay, il aurait été capable de vivre au-delà du repos. And there was no way he could die again. Et il n'aurait plus un moyen pour lui de mourir. Because Adam was to live out the rest. Parce que Adam devait vivre en dehors du repos. If you live out the rest, si vous vivez en dehors du repos, God opens the door of eternity. Dieu ouvre les portes de l'éternité. After the seven, après le septième, you go to the eight. Vous entrez dans le huit. In eternity, et l'éternité, you can't die no more. Vous ne pouvez plus mourir encore. But Adam failed in the rest. Mais Adam a échoué dans le repos. Now listen. Maintenant écoutez. Healing, la guérison, is a state. C'est un état. It is not a condition. Ce n'est pas une condition. That means when God created Adam, ça veut dire que lorsque Dieu a créé Adam, his state, son état, was healing. Était la guérison. God didn't create Adam, Dieu n'a pas créé Adam with diabetes, avec le diabète, with cancer, avec le cancer. Non, non. He was created. Il a été créé. He was given an immunity. Il a reçu une immunité. There was a covering on Adam qui couvrait Adam. That nothing can penetrate. Que rien ne pouvait pénétrer. He could not be sick. Il ne pouvait pas être malade. Now today, maintenant aujourd'hui, science tells you about the immune system. La science vous parle du système immunitaire. So even science could tell you. Même la science pourra vous dire. That God has a provision. Que Dieu a une provision. That must keep you protected, qui doit vous garder protégé, from diseases, de certaines maladies. They call it immunization. C'est appelé l'immunité. When you are immunized, quand vous êtes immunisé, you become immune against, vous êtes immunisé contre, against polio, contre la polio, against certain diseases, contre certaines maladies. They might give you a vaccine. On peut vous donner un vaccin. What they are telling you ce is, vous dites, en réalité, man before the beginning, before the fall, avant que l'homme ne tombe, la chute, man had healing. L'homme avait la guérison. Healing, la guérison, was it a condition? N'était pas une condition. It was a state. C'était un état. Healing, la guérison, was a robe. C'était une robe of immunity. C'était une robe d'immunité. Once it comes upon you, quand cela vient sur vous, you can't be sick. Vous ne pouvez pas être malade. So the state of Adam, donc l'état d'Adam, was a state. Était un état that was free, ou qui était from sickness. Il était libre de toute maladie. He can't be sick. Il ne pouvait pas être malade. But when Adam sinned, quand Adam a péché, he lost his immunity. Il a perdu son immunité. But Jesus Christ came back. Mais Jésus-Christ est revenu. To bring back your immunity. Pour ramener votre immunité à nouveau. Immortality. L'immortalité. He came to restore back. Il est venu pour restaurer. The clothes of immortality. Le vêtement de l'immortalité. So therefore, this season, donc dans cette saison, we are going to find out, nous allons trouver, the original state of your body. L'état originel de votre corps. Because if you understand, parce that, si vous comprenez cela, and you tell your body that, vous dites à votre corps ceci, nothing can come here. Rien ne peut entrer là. Nothing can penetrate. Rien ne peut pénétrer là. Hallelujah, praise God. Amen. Let me see it. Pouvez-vous asseoir? Let me see it. So what the bottom said, donc frère Branham dit, when God actually came to Abraham, quand Dieu en réalité est venu vers God Abraham, appeared to Abraham as El Shaddai. Dieu a apparu à Abraham en tant qu'El Shaddai. For the forgiveness of sins, pour le pardon des péchés. And healing of the body. Et la guérison du corps. El Shaddai. El Shaddai. This is powerful. C'est très puissant. So God came to Abraham. Donc Dieu est venu à Abraham. Three men came to him. Trois hommes sont venus à lui. We don't know who they were. Nous ne savons pas qui ils étaient. Genesis 18 said. Dans Genèse 18, il est dit. Three men. Trois hommes. He didn't even call them angels. Il ne fut même pas appelé des anges. He said three men. Trois hommes. Came to Abraham. Sont venus à Abraham. But here come a prophet. Mais voici que vient un prophète. To reveal the mystery. Pour révéler le mystère. Of who those men are. De qui ces hommes étaient. He said those three men. Il dit ces trois hommes. One he called Melchizedek. Il y a un qu'il a appelé Melchizedek. And Melchizedek. Et Melchizedek. Has been a king around. A été un roi dans les parages. He's been on the earth for a while. Il a été sur la terre pendant un moment. So it was his twins. Donc ce n'était pas étrange.
And this Melchizedek, ce Melchizedek has no father, n'a pas de père, has no mother, n'a pas de mère. But how come he became king? Mais comment est-il devenu roi? And he became a priest. Et qu'il soit devenu aussi sacrificateur. Pouvez-vous asseoir? Let me see that. Pouvez-vous asseoir? Okay. Okay. But on this day, maintenant, dans ce jour-là, he came to Abraham. Il est venu à Abraham. Three of them. Trois d'entre eux. Melchizedek. Melchizedek. Michael. Michael. And Gabriel. Et Gabriel. Powerful angels, puissants anges. And Abraham saw all three of them. Et Abraham a vu les trois. He did not call them lords. Il ne les a pas appelés seigneurs. He said, "My Lord." Il a dit mon Seigneur. That means Abraham singular eye. Ça veut dire que Abraham avait des yeux singuliers. Like, but the comment would put it, singular eye. Et comment la montrer des yeux singuliers. With the eye of the soul. Avec les yeux de l'âme. If your eye be single. Si votre âme est singulière. The Bible said. La Bible dit. If your eyes are single. Si votre âme est singulière. Then your whole body. Maintenant tout votre corps. Is full of light. Est rempli de lumière. So Abraham that day. Donc Abraham ce jour là. He saw three men. Il a vu trois hommes. But his eyes were single. Mais ses yeux étaient singuliers. So his whole body, donc son corps, was full of light. Était rempli de lumière. He was enlightened. Il a été illuminé. He did not say my lord. Il n'a pas dit mes seigneurs. My lord. Il a dit mon seigneur. Three people, trois hommes. One, un. And Abraham needed et Abraham avait besoin the revelation, de la révélation. Because the only way God can move forward with him, parce que la seule façon pour que Dieu puisse aller de l'avant avec lui, it got a revelation, il devait avoir une révélation. God wanted to confuse him, to try him. Dieu voulait l'éprouver, le confondre. That was the final test. C'était le test final. God was one, Dieu était un. But he split himself up, mais il s'est divisé into three, en trois. To test his faith. Pour tester sa foi. Because Abraham, parce qu'Abraham, for 25 years, pendant 25 ans, has been hearing the voice. A entendu une voix. The voice, the voice, the voice, the voice. La voix, la voix, la voix. But one day, mais un jour, the voice, la voix, became three men. Est devenu trois hommes. Abraham, Abraham, test, a été testé. Final test, le test final. And this season, dans cette saison, here you are. Voici que vous êtes. Final test, le test final. Melchizedek, Melchizedek, Michael, Michael, Gabriel, Gabriel. Is it three? Les trois. No, one. Un. Is Jesus. C'est Jésus. Jesus. Jésus. As Melchizedek. Melchizedek. Jesus. Jésus. Michael. Michael. Jesus. Jésus. Gabriel. Comme Gabriel. Et Jesus. C'est Jésus. You pass the test. Vous avez passé le test. Listen close. Écoutez attentivement. That was the final test. C'était le test final. If Abraham had failed and said, "My Lord," si Abraham avait échoué en disant, "Mes seigneurs," but logically, mais de façon logique, how do you see three men? Comment pouvez-vous voir trois hommes? And call them my Lord. Et les appeler mon seigneur. What a revelation, man! Quelle révélation! What a revelation! Quelle révélation! Glory to God, hallelujah! Voilà, that was light. C'était la lumière. The royal seed. La semence royale. It wasn't Abraham. Ce n'était pas Abraham. It was the seed of God. C'était la semence that de Dieu. That was in Abraham. C'était en Abraham. Praise be to God, hallelujah! Voilà, Dieu, hallelujah! No man can see three people. Aucun homme ne peut voir trois hommes. And you don't call them lords. Et vous ne les appelez pas seigneurs. Hallelujah! Let me see that. Pouvez-vous asseoir? We are going somewhere tonight. Nous allons quelque part ce soir. What a test of revelation now. Oh, quel test de la révélation maintenant. And you are Abraham's seed. Et vous êtes la semence d'Abraham. We are back in the same junction. Nous sommes de retour à la même jonction. We are here again. Nous sommes ici encore. And so many people. Et beaucoup de personnes. Are coming against Michael. Sont venus contre Michael. Coming Melchizedek. Coming against this. Coming against that. Contre cela. They don't know. Ils ne comprennent pas. It's Jesus. C'est Jésus. He disguised himself. Il s'est déguisé lui-même. To test you. Pour vous tester. But praise God. Mais gloire à Dieu. You can't miss it. Vous ne pouvez pas le manquer. Because you know why? Parce que vous savez pourquoi? You were there with him. Vous étiez là avec lui. There is something inside of you. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Was way back there. C'était là-bas. You know who God vous is. Vous savez qui Dieu est. Because you came from God. Parce que vous venez de Dieu. You can't be deceived. Vous ne pouvez pas être séduit. Hallelujah. Hallelujah. Seated. Vous pouvez vous asseoir. My soul is happy tonight. Mon âme est heureuse ce soir. I'm excited in my soul and spirit. Dans mon âme et dans mon esprit. Let me see that. Pouvez-vous vous asseoir? Now this mystery, maintenant ce mystère, is anointed. A été oint. It was laid there. Et il a été déposé là.
But God sent a prophet. Et Dieu envoie un prophète. To anoint it. Pour l'oindre. Then God sent the apostle. Et Dieu envoie un apôtre. To pick it up. Pour le faire ressortir. Now all these mysteries are in the message. Maintenant tous ces mystères sont dans le message. They are in the shout. Ils sont dans le cri. But the Branham's ministry, his emphasis was the soul. Mais l'emphase du ministère de Frère Branham était sur l'âme. He had to establish the soul. Il devait établir l'âme. So it was, he said in souls in prison. Donc il a dit dans les âmes en prison. That he want to emphasize now on the soul. Il voulait maintenant mettre l'emphase sur l'âme. So he brought the entire message. Donc il a apporté le message entier. But his emphasis. Mais son emphase. Was the soul. Était l'âme. Because the soul. Parce que l'âme. Has been misunderstood. A été mal comprise. For ages. Pendant des âges. Because you see. Parce que vous voyez. Adam. Did not live out the soul. N'a pas vécu en dehors de l'âme. Yes. Amen. He did bring forth after his kind. Il n'a pas il ne s'est pas reproduit lui-même. So we don't know who a son of God donc is. Nous ne savons pas exactement ce qu'un fils de Dieu est. And that's why Jesus came. Et c'est la raison pour laquelle Jésus as the last Adam, comme étant le dernier to Adam, give you an idea pour vous donner une idée of what Adam was coming to. Que Adam était en train de devenir. But you did not live to see mais the days of Jesus. Vous n'avez pas vécu dans les jours de Jésus. But now you are here now. Maintenant vous êtes ici. So he sent a prophet. Donc il a envoyé un prophète with a revelation avec la révélation of what the soul is. De ce que l'âme est. Why the soul can't be lost. L'âme ne peut pas être perdue. Because the soul is predestined. Parce que l'âme est prédestinée. The soul is God's attribute. L'âme est l'attribut de Dieu. The soul is God's thought. L'âme est la pensée de Dieu. The soul is eternal. L'âme est éternelle. In its essence. Dans son essence. But you have not been able to live. Vous n'avez pas été capable de vivre. The life of the soul. La vie de l'âme. So God must send dynamics. Dieu envoie la dynamique. To quicken the soul. Pour vivifier l'âme. Then the light in your soul. Mettre la lumière dans votre âme. Begin to radiate va commencer à through your body, but your body must be redeemed. Être if your body is not redeemed, si racheté, the light in the soul la lumière dans l'âme can't find expression. Peut pas trouver une expression. When the body is redeemed, quand le corps est racheté, the light in the soul, l'âme, la lumière dans l'âme. Hallelujah. Hallelujah! Right now, your soul is being redeemed, racheté, but your flesh mais votre chair is not suitable. N'est pas approprié. Your flesh is still sin. Votre chair toujours le péché. But your soul is seven virtues. Votre âme est sept vertus. So the flesh is stopping the soul. Donc la chair retient l'âme. So a lot of times. Donc plusieurs fois. I have to see you. Je dois vous voir. In the spirit. Dans l'esprit. For me to know. Pour que je puisse savoir. You are a son of God. Comme être fils de Dieu. Just like the woman. Comme la femme. At the well. Au puits. She was a prostitute. Elle était une prostituée. Because her body. Parce que son corps. Was in prostitution. Était dans la prostitution. But the soul, mais son âme, so Jesus, donc Jésus, the word, la parole, has to come, devait venir, and see past the flesh, et il a contourné la chair, he saw the soul, il a vu l'âme, the soul inside, l'âme à l'intérieur, the eyes of the word, les yeux de la parole, and when he saw the when he saw the soul, quand il a vu l'âme, just like this day, comme ce jour, God sent a prophet, Dieu a envoyé un prophète. Look at you, regardez-vous, beyond your flesh, au-delà de votre chair, beyond your mistakes, au-delà de vos erreurs, down the soul, dans l'intérieur de l'âme, there is a seed, une semence, hiding there, caché là, predestiné, but it takes a prophet, cela prend un prophète, to tell you that, pour vous dire cela. You know why? Vous savez pourquoi? Even though there's a seed in your soul, même s'il y a une âme dans votre âme, dans votre âme, but your flesh, mais votre chair, is sin, est le péché. So all the intentions and the desires of your soul, donc, tous les désirs et les intentions de votre âme, your body is refusing the expression. Votre corps refuse l'expression de cela. So even you, même vous-même, don't even know the state of your soul. Vous ne savez pas l'état de votre âme. Because every time you live your life, parce que à chaque fois que vous vivez votre vie, what you see coming out is sin. Ce que vous voyez sortir de vous, c'est le péché. But the eyes of a prophet, mais les yeux d'un prophète, he said no. Il a dit non. Your soul, votre âme, is the word of God. Est la parole de Dieu. Your soul is the seed of God. And you by faith. Et vous par la foi. You begin to believe that. Vous avez commencé à croire cela. You say hallelujah. Vous avez dit hallelujah. Is that the case? Est-ce le cas? That's right. This season. Dans cette saison, your body, votre corps, must be redeemed. Doit être racheté. So it can be consistent. Pour qu'il puisse être approprié. With your soul. Avec votre âme.
So the desires of your soul, pour que les désirs de votre âme, the attributes of your soul, les attributs de votre âme, can find expression, peut trouver une expression through your body, à travers un corps. So even you will know, donc vous-même vous saurez. Even you will know, vous-même vous saurez. I am a son of God. Je suis un fils de Dieu. Because the life of God, parce que la vie de Dieu, is coming out through you. Sort de vous. You won't need Pastor Willie to vous tell you that. Vous n'avez pas besoin de Pastor Willie pour vous dire cela. So this season, dans cette saison, in your soul, dans votre âme, there is a desire. Il y a un désir. You want to live right. Vous voulez vivre correctement. But your body, mais votre corps, is resisting you. Vous résistez. Your body is resisting you. Vous résistez. But praise God. Gloire à Dieu. Melchizedek is back. Melchizedek est de retour. He's going to fix up your body. Il va corriger votre corps. Fix up your body. Il va corriger votre corps. Fix up your body. Il va corriger votre corps. Fix up your body. Il va corriger votre corps. So your body, que votre corps, can begin to say amen. Christi, amen. To your soul. À votre âme. But the Bible says, la Bible dit, by stripes we're healed. Par les maîtres, vous êtes guéri. The body say amen. Votre corps dira amen. And the body is healed. When the Bible says, la Bible dit, you are holy. Vous êtes, your body says amen. Amen. Yes. Hallelujah. We know we are standing. Nous savons nous tenons. That is why. C'est la raison pour laquelle. You must never carry guilt. Vous ne, you are not guilty. Vous n'êtes pas coupable. I am not guilty. Je ne suis pas coupable. Your case is discharged. Votre cas est déchargé. But when the Holy Ghost is come, mais quand le Saint-Esprit vient, and begin to fix up your body, et il commence à corriger votre corps, like he did to Abraham, comme il a fait Abraham. Oh, monsieur. Pouvez vous asseoir. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm so excited tonight, je suis tellement excité ce soir. Monsieur. Pouvez vous asseoir. Now listen here. Maintenant écoutez ici. What if God didn't fix Abraham's body? Qu'est-ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas corrigé le corps d'Abraham? You would think Abraham did not have faith. Vous aurez cru que Abraham n'avait pas la foi. Thank God for a prophet. Donc nous remercions Dieu pour un prophète. So what was stopping? Donc ce qui a été en train d'arrêter? The promise. La promesse. Was Abraham's body. C'était le corps d'Abraham. What did sin do to Abraham? Mais vous voyez, qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? What did sin do to Abraham? Abraham, what did sin? Qu'est-ce que le péché a fait à Abraham? Sin afflicted his body. Le péché a affligé son corps. Thank God, God didn't allow sin to afflict his soul. Heureusement que Dieu n'a pas laissé le péché affliger son âme. God protected the soul. Dieu a protégé l'âme from the effect of the fall. Des effets de la chute. If you see a man today, si vous voyez un homme aujourd'hui, who says there is no God, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, it only shows you the impact. Il ne fait que vous montrer l'impact that the fall had on his soul. Que la chute a eu sur son âme. But because you are predestinated, mais parce que vous êtes prédestiné, he protected your soul. Il a protégé votre âme. The fall, la chute, impacted your mind, a impacté votre impacted esprit, your spirit, a impacté votre esprit. But predestination, la prédestination, kept the seed, a gardé la semence, in the soul, à l'intérieur de l'âme. So even in your fallen state, même dans votre état de chute, you can still say vous amen. Pouvez toujours dire amen. Even in your fallen state, même dans votre état de chute, you can recognize vous Elohim. Pouvez toujours reconnaître Elohim. You can recognize a prophet. Vous pouvez reconnaître un prophète. Even though you did not see, but a brother, vous n'avez pas vu frère Branham. The seed, mais la semence, the seed, la semence, predestination, prédestiné. Thank God, vous bénissons for Dieu, predestination, pour la prédestination. That's why I'm so happy. C'est pour ça que je suis tellement heureux. When I understand, quand je comprends, that I am predestinated, que je suis prédestiné. Alléluia. Ah! Let me see that. Pouvez vous asseoir. Let me see that. Pouvez vous asseoir. What I'm saying tonight, ce que je vous dis ce soir, is to give stature to your mind. C'est pour donner une stature à votre esprit. All right.
Très bien. So he came and appeared to him. Donc il est venu, il lui est apparu. Two things. Deux choses. Sin forgiveness and healing. Le pardon des péchés et la guérison. So I just told you. Donc je vous ai juste dit that healing que la guérison is actually your state est en réalité votre état. In the resurrection. Dans la résurrection. Now your healing maintenant votre guérison is conditional. Est conditionnelle. That's why it's not permanent. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas permanente. But in the resurrection, dans la résurrection, it stops being conditional. Cela va arrêter d'être conditionnel. It becomes a state. Cela devient un état. You become healing. Vous devenez la guérison elle-même. You become healing. Vous devenez la guérison elle-même. No more sickness. Plus de maladies. In that state, dans cet état, you are now ready. Vous êtes prêt for rapture. Pour l'enlèvement. So your state of healing. Donc votre état de guérison. That is your redeemed state. C'est votre état racheté. I'm saying something powerful. Je le dis quelque chose de très puissant. That's why. C'est la raison pour laquelle. God made sure that we did not lose healing completely. Dieu s'assure que nous ne perdions pas la guérison de façon complète. What that is telling you. Ce cela vous dit. We always had it. Que nous avons toujours la chose. Nous avons toujours la chose. My God. Now, Adam with his body. Maintenant, Adam dans son corps. Abraham says, when man sinned. Abraham dit que lorsque l'homme a péché. He did not sin in the spirit. Il n'a pas péché dans l'esprit. He sinned in his flesh. Il a péché dans sa chair. Understood? Est-ce que vous comprenez cela? Adam's body. Le corps d'Adam. Did have eternal life. N'avait pas la vie éternelle. His spirit. Son esprit. From God. Venant de Dieu. Had eternal life. Avait la vie éternelle. But his body. Mais son corps. They have eternal life. N'avait pas la vie éternelle. Because that body. Parce que ce corps. Had to eat. Devait manger. A tree of life. Et le arbre de vie. This is Ivy Coast. Ça c'est la Côte d'Ivoire. You can talk mixes here. Vous pouvez prendre la mixtape ici. Oh my God. So Adam's spirit. Donc l'esprit d'Adam. Was Holy Spirit. Était le Saint-Esprit. His spirit. Son esprit. Was the image of God. Était l'image de Dieu. Now that spirit. Maintenant cet esprit. Had a body in heaven. Avait un corps au ciel. The body God gave to that spirit. Le corps a donné à cet esprit. A donné cet esprit. I'm called it a theophany. Faut mal appeler la théophanie. Now theophany. La théophanie. You don't know theophany. Vous ne connaissez pas la théophanie. Because even Paul. Parce que même Paul. In Corinthians chapter 5. Dans Corinthiens chapitre 5. He just said. Il a juste dit. If this earthly house. Que si cette tente terrestre. Or if this earthly tabernacle. Si ce tabernacle terrestre. So he calls it a house. Donc il a appelé une maison. A tabernacle. Un tabernacle. He said if it were dissolved. Il a dit que même s'il est dissous. We have one waiting. Nous avons un autre qui nous attend. He said it is eternal. Il a dit qu'il est éternel. Not made with hands. Il n'est pas fait de mains. Now it took a prophet to tell you. Un prophète pour vous dire. That's a theophany. Que c'était la théophanie. Now theophany. Maintenant la théophanie. Is not like other celestial bodies. Ce n'est pas comme les autres corps célestes. Angels. Les anges. Have also bodies. Ont des corps. Celestial bodies. Ils ont des corps célestes. But you see those angels. Vous savez, vous voyez ces anges. Two thirds of those angels. Deux tiers de ces anges. That we are deceived. Ont été séduits. What does that tell you? Qu'est-ce que cela vous dit? But a theophany. De la théophanie. You can't deceive a theophany. Vous ne pouvez pas séduire une théophanie. Because a theophany. Parce qu'une théophanie. Knows all things. Connaît toutes choses. That means there are celestial bodies. Ça veut dire qu'il y a des corps célestes. That are not as intelligent. Qui ne sont pas assez intelligents. As a theophany. Comme la théophanie. A theophany. Une théophanie. Has a super sense. Un super sens. Your theophany. Votre théophanie. Is super intelligent. Est très intelligente. You can't lie to a theophany. Vous ne pouvez pas mentir à une théophanie. You can't deceive a theophany. Vous ne pouvez pas séduire une théophanie. Because a theophany. Parce que la théophanie. Knows all things. Connaît toutes choses. A theophany. Une théophanie. Has seven eyes. A sept yeux. Seven horns. Sept cornes. Even God himself. Même Dieu lui-même. When God created. Quand Dieu a créé.
Different kinds of celestial bodies. Plusieurs sortes de corps célestes. God himself chose to live in a theophany. Dieu lui-même a choisi de vivre dans une théophanie. So God can't live in any celestial body. Dieu ne peut pas vivre dans n'importe quel corps céleste. Except a theophany. Si ce n'est que la théophanie. Because when God steps into the theophany. Parce que lorsque Dieu entre dans la théophanie. He becomes omnipotent. Il devient omnipotent. He becomes omniscient. Il devient omniscient. But you are his bride. Et vous êtes son épouse. You are part of him. Vous êtes une partie de lui. So he shared with you. Donc il partage avec vous. His own body. Son propre corps. Theophany. La théophanie. Because you and him are one. Parce que vous et lui vous êtes un. You came from God. Vous venez de Dieu. That's why angels. C'est la raison pour laquelle les anges. They are jealous of you. Ils sont jaloux de vous. Who is man? Qui est l'homme? What is man? Qu'est-ce que l'homme? That God is so mindful. Pour que Dieu puisse avoir tel soin. Who is this man? Qui est cet homme? That God can give him. À qui Dieu peut donner? A theophany. Une théophanie. God's own body. Le corps même de Dieu. Let somebody say yes. Quelqu'un dise yes. What is man? Qu'est-ce que l'homme? Who is man? Qu'est-ce que l'homme? Oh. What? Oh. Can I go on? Est-ce que je peux continuer? This weekend? Ce weekend? It's a weekend? C'est un weekend? Of hidden mysteries? Des mystères cachés? Because a portal? Parce que un portail has been opened up. A été ouvert. As we speak the hidden mysteries? Pendant qu'on nous parle des mystères cachés. With the Branham. Frère Branham. Paul. Irenaeus. Irénée. They're coming back. Ils reviennent. Super angels. Des anges super. Melchizedek. Melchizedek. Michael. Michael. Gabriel. Gabriel. Right now they are around. Maintenant ils sont autour. Because this is their message. Parce que c'est le message. This is their message. C'est le message. Hey. Hallelujah, praise God, amen. I can see Michael jumping. Je peux voir Michael sauter. Gabriel is jumping. Gabriel saute. Melchizedek is jumping. Melchizedek saute. He said, "This is my message." Il dit, c'est mon message. This is my yaka yaka yaka. So now listen. Maintenant écoutez. C'est la théophanie. Vous voyez la théophanie? It's powerful. C'est puissant. Now in the realms of the spirit, maintenant dans le domaine de l'esprit, the rank of a spirit, le rang d'un esprit, the rank, le rang, le niveau of any spirit, de chaque esprit, is determined, est déterminé, by the glory, par la gloire, that his body can carry, que son corps porte. Because you cannot see spirits. Parce que vous ne pouvez pas voir les esprits. You can only see spirits. Vous ne pouvez voir qu'un esprit in their bodies, dans son corps. And the glory et la gloire of that body de ce corps determines the rank. Détermine son niveau ou son rang. So in the celestial bodies, donc dans les corps célestes, all bodies celestial, they're all glorified. They're glory. Tous les corps célestes sont glorifiés. But you see, the glory of the theophany, mais vous voyez la gloire de la théophanie is different. Est différente. Because you see, that body, parce que vous voyez ce corps can host. Okay. It can handle, it can contain. Il peut contenir, il peut. Il peut maintenir all of the seven spirits of God. Tous les sept esprits de Dieu. That's the only body. C'est le seul corps that the fullness of God où la plénitude de Dieu can dwell in. Peut demeurer à l'intérieur. So the glory, donc la gloire of the theophany, de la théophanie is the glory, c'est la gloire of his person, de sa personne. So your theophany, votre théophanie is super intelligent. Est très intelligente. It has faith. Elle a la foi. Vertu, la vertu. Knowledge. La connaissance. La tempérance. La patience. Ah, hey. Godliness. La piété. Godly kindness. La charity. Et aussi la charité. And also. Et aussi. Other celestial bodies. Tous les corps célestes. Can come into this earth. Peut venir sur cette terre. And appear for few minutes and few hours to go et back. Apparaître pendant des minutes et des heures et disparaître. But a theophany, mais une théophanie, has the power, a la puissance, to materialize itself, de se matérialiser elle-même, into flesh, dans la chair. That is why, c'est la raison pour laquelle, but the Branham, frère Branham, had to come against the doctrine, devait venir contre les doctrines, of Josephus, the history of Josephus, de Josephus. Chapter 6 of Genesis, the fallen angels. Des anges qui sont tombés, les anges déchus. There's a doctrine. Il y a une doctrine. That the fallen angels que les anges déchus became human beings sont devenus des êtres humains.
And they had an affair with the women. Et ils ont eu avoir des relations avec des hommes. But Branham said, if you say that, Frère Branham dit que si vous dites cela, you are saying that those spirits, vous dites que ces esprits, had the power, ont eu la puissance, to create, de créer. Because only Jesus, parce que seulement Jésus, was able, était capable, to become flesh, de devenir chair. The word, la parole, became flesh. Est devenu chair. God came from spirit. Dieu est venu de l'esprit. He materialized himself, s'est matérialisé lui-même, into flesh, dans la chair. No other being can do that. Aucun autre être ne peut faire cela. The only beings that can do that. Le seul être qui peut faire cela. A theophanies. C'est la théophanie. That's why Melchizedek. C'est la raison pour laquelle Melchizedek has the power à la puissance to materialize de se matérialiser into flesh dans la chair and live here et vivre ici. Power. La puissance. No other being has that. Aucun autre être ne peut faire cela. This is hidden. Cela est caché. Because even the theophany, parce que même la théophanie, most men don't know much about the theophany. Plusieurs hommes ne connaissent pas assez au sujet de la théophanie. But there are still hidden elements. Parce qu'il y a toujours des éléments qui sont cachés. But you are hearing that tonight. Mais vous êtes en train de les entendre ce soir. So in the rankings of glory, donc dans le rang des gloires, the theophany, la théophanie, is the zenith. Est le zénith. No celestial body is glorified than the theophany. Aucun corps céleste n'est plus glorifié que la théophanie. That's the capstone. Et c'est la pierre de fête. So when we come to the capstone, quand nous arrivons à la pierre de fête, of the church, de l'église, the preeminence, la prééminence, is called dynamics. C'est appelé la dynamique. Why the prophet said dynamics? Pourquoi le prophète l'a appelé dynamique? There are so many things in the Holy Ghost. Il y a tellement de choses dans le Saint-Esprit that we need to know. Que nous devons savoir. You see that? Vous pouvez asseoir. I want to get you something. Je vais vous donner quelque chose. Are you with me now? Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Go on. Just relax. Yeah. We have five meetings. Nous avons cinq réunions. This is just the one. Ça c'est juste une réunion. We have the two, the three, the four, the five. Nous avons deux, trois, quatre, cinq. Soyez God has something in store for you. Dieu a quelque chose en réserve pour vous. When you live here, quand vous allez quitter ici, change. Vous êtes changé. Change. Changé. Alléluia. This is predestination. Ça c'est la prédestination maintenant. You are chosen. Vous êtes choisi. To have a theophany. Pour avoir une théophanie. Yes, oui. God of mercy. Oh, Seigneur miséricorde. May you see that. Pouvez vous asseoir. So now listen. Donc maintenant, écoutez. The angels in heaven. Les anges au ciel. God created all those angels in Dieu heaven. A créé tous ces anges au ciel. He didn't create them demons. Il ne les a pas créés en tant que des démons. They were all called angels. Ils étaient tous des anges de Dieu. So angels. Donc les anges. Was their status. C'était leur statut. In their rankings. Et ils ont été classés. When they lost their rankings. Quand ils ont perdu leur classement. They became demons. Ils sont devenus des démons. But one third of the angels were not deceived. Mais un tiers des anges n'a pas été séduit. It was Michael. C'était un des anges n'a pas été séduit, c'est Michael. And his angels. Et ses anges. The other ones. Les autres anges. Were deceived. Ont été séduits. Even as angels. Même en tant qu'ange. The body. Ils avaient un corps. And if your body is that angel, et si votre corps est cet ange, you'll be deceived. Vous serez séduit. But thank God my angel, mais Dieu merci mon ange, wasn't deceived. N'a pas été séduit. Are you there? Est-ce que vous êtes là? So now listen now. Maintenant écoutez maintenant. So Brother Branham, donc Frère Branham, the pyramid, la pyramide, seven church ages, sept âges de l'Église, seven earthly angels, sept anges terrestres. After seven angels, sept anges, Paul, Irenaeus, Columba, Paul, Irenaeus, Columba, until Malachi 4, jusqu'à Malachi 4, there was one angel, il y avait un ange, that's not a man angel, qui n'était pas un ange homme. The angel, l'ange, with the swept back wings, avec les ailes déployées,
And that angel, cet ange, has the open book. Avait le livre ouvert. That's the mystery. C'était le mystère. So Brother Branham, donc Frère Branham, has to come to the end. Devait arriver à la fin. Of seven angels, de sept anges, seven church ages, sept âges de l'Église. Then he enters into the slot. Maintenant, il est entré dans l'espace. Then in the slot, maintenant dans l'espace, he has to meet the angel. Il devait rencontrer l'ange. With the open book, avec le livre ouvert. Now that angel, maintenant cet ange, we know it's Elohim. Nous savons que c'est Elohim, the mighty angel, le puissant ange, shed back wings, avec les anges, with the book, déployés avec le livre. You can only meet that angel. Vous ne pouvez rencontrer cet ange at the end, qu'à la fin, or at the finishing, ou à la terminaison of the seven seals, du septième sceau, finishing, quand il se termine, of the seven church ages, la fin des sept âges de l'Église, at the top of the pyramid, et au sommet de la pyramide. That is eternity now. Ça, c'est l'éternité maintenant. Now that angel, maintenant, cet ange is one, est un. But that angel, maintenant, cet ange manifest himself, se manifeste lui-même, as three, comme trois. Melchizedek. Melchizedek. Michael, Michael and Gabriel. Et Gabriel. Now that's the mystery. Maintenant, ça c'est le mystère. After, après, seven church ages, sept âges de l'Église. This is serious now. C'est très sérieux maintenant. So the apostolic ministry, donc le ministère apostolique, was operating, étant en opérer, beyond seven angels, au-delà de sept anges, of the seven churches, des sept âges de l'Église. The emphasis, l'emphase, was the angel, était l'ange, with the open book, avec le livre ouvert. But he manifested himself, mais qui se manifeste lui-même, as Melchizedek, comme Melchizedek, Michael, Michael, and Gabriel, et Gabriel. That's the capstone. Ça c'est la pierre de fête. Now that three, maintenant ces trois, is called manifested reality. Sont appelés la réalité manifeste. It's called abiding glory. C'est appelé la gloire. Qui demeure. Because until you meet those angels, parce que vous rencontrez ces anges, you can't come to abide vous in glory. Ne pouvez pas atteindre la gloire qui demeure. So the prophet had to wait for donc his office. Le prophète devait attendre son office. He has to wait. Il devait attendre for vindicated reality. Pour la réalité confirmée. The Holy Ghost itself, où le Saint-Esprit lui-même, has become the person, est devenu la personne, of the Holy Ghost, du Saint-Esprit. And the person, et la personne, of the Holy Ghost, du Saint-Esprit, is Melchizedek, et Melchizedek, Gabriel, Gabriel, Michael, Michael, who is all one, mais en un, Elohim, Elohim, Jesus Christ, Jesus Christ. That's the message. C'est ça le message. That's the capstone. C'est ça la pierre de fête. So God gave you three phases. Dieu a donné trois phases. Three poles. Trois poules. To come, pour venir, to the capstone, pour arriver à la pierre de fête. Hallelujah. So we are now past seven church ages. Donc nous avons maintenant dépassé les sept âges de l'Église. That means this season. Ça veut dire que dans cette saison. How we know the five ministry? Comment est-ce que nous reconnaîtrons le quinquennat? They'll preach the message. Ils vont prêcher le message. On top of the pyramid. Au sommet de la pyramide. Only them can preach. Seulement eux peuvent prêcher. Because except you meet these three angels, parce que jusqu'à ce que vous rencontrez ces trois anges, and you cannot meet them, vous ne pouvez pas les rencontrer, except you have a theophany, jusqu'à ce que vous ayez une théophanie. Because they will speak to you, parce qu'ils vont vous parler, from your theophany, depuis votre théophanie. And what they will tell you, et ce qu'ils vont vous dire, is a message, c'est un message, for your soul, de, pour votre âme, your spirit, pour votre esprit, and your body, et votre corps. Because that's the message of the seventh seal. Et c'est ça. Est-ce que ça pourrait être le message du septième sceau? Your soul, votre âme, your spirit, votre esprit, your body, et votre corps. A perfect man, un homme parfait. A complete man, un homme complet. Original man, un homme original. Glorified man, glorifié. That's the message. C'est ça le message. Of the seventh seal, du septième sceau. That is you. C'est ce que you vous are. Êtes. Before you became hybrid, avant que vous ne deveniez hybride, and God is trying to breed you back, essaie de vous ramener. When you get a revelation, où vous pouvez avoir une révélation, of who you are, de qui vous êtes, at the end of seven church ages, à la fin des sept âges de l'Église, you see yourself standing, vous voyez vous-même vous tenant là, as a perfect man, comme un homme parfait, Holy Spirit, le Saint Esprit, then you are redeemed, maintenant vous êtes racheté, and that begins the new birth, et cela commence la nouvelle naissance. So that's why. Donc c'est la raison pour laquelle. You see that we emphasize this age. Nous mettons l'emphase cet âge. The three manifestations. Les trois manifestations. Of manifested reality. La réalité manifeste. We're not preaching Gabriel. Nous ne prêchons pas Gabriel. We're preaching their message. Nous prêchons leur message. And their message. Et leur message. Is about you. C'est à votre sujet. My God. Adoption. L'adoption. Glory to God. Glory. So the last message now. Donc ce message. The body. Le corps. Now, let me see. I want to quicken your consciousness. Je veux maintenant vivifier votre conscience. This is not just now for your soul. Et ce n'est pas juste pour votre âme. For your body. C'est mais aussi votre corps. Pouvez asseoir. Pouvez asseoir. I want to say something. Je veux dire certaines choses. Now listen carefully. Maintenant, listen écoutez, écoutez attentivement. I know you can think. Je sais que vous pouvez penser.
Now your body. Maintenant votre corps. Lives by vibration. Vit par des vibrations. Listen. Écoutez. That is why. C'est la raison pour laquelle. You feel. Vous sentez. Everything God created vibrate. Tout ce que Dieu a créé vibre. To prove life. Pour prouver la vie. And everything vibrates at a frequency. Et tout ce qui vibre a une fréquence. You understand that? Now the word of God is vibrating. La parole de Dieu vibre. Even now it is vibrating. Même présentement cela vibre. It is moving. Cela bouge. It has life. C'est une vie. When you hear the word, quand vous entendez la parole, or when you hear words, quand vous entendez des paroles, every word, chaque parole, has dimensions, a une dimension. Jesus said, Jésus a dit, the word that I speak unto you, les paroles que je vous dis, they have a spirit part, elles ont une partie spirituelle, they have a life part, elles ont une partie vie. So he was dividing the word. Donc il a divisé la parole. That means words, ça veut dire que la parole, have a spirit dimension to a, a une dimension spirituelle. That has en elle, qui a une vie. When you hear a word, quand vous entendez une parole, your brain, votre cerveau, is intellectual, est intellectuel. That means every word, ça veut dire que chaque parole, can be understood in two ways, peut être compris en deux moyens, en deux possibilités. You either understand it intellectually, soit, bon. That's how your brain understands anything. Et c'est comme ça que votre cerveau comprend toute chose. See, but your soul does not think. Mais votre âme ne pense pas. Your soul understands things by experience. Votre âme comprend les choses par expérience. So now listen close. Maintenant écoutez très bien. Listen close. Écoutez très bien. So when a word goes forth. Donc quand une parole sort. You have some people. Vous avez des personnes. Who make contact with that word. Qui font un contact avec cette parole. Intellectually. De façon intellectuelle. The brain. Avec le cerveau. But that same word has an experiential. Cette parole, cette même parole a une partie expérimentale. Because you can't explain life. Parce que vous ne pouvez pas expliquer la vie. You can't explain spirit. Vous ne pouvez pas expliquer un esprit. Life and spirit is experiential. La vie a un esprit expérimental. You experience it. Vous l'expérimentez. That's why. C'est la raison pour laquelle. You can come to church. Vous pouvez venir à l'église. You feel healed. Vous vous sentez guéri. Without you understanding what I just said. Sans même comprendre ce que j'ai dit. What you have just done. Ce que vous avez fait. You interacted with that word. Vous avez interagi avec cette parole. From the experiential dimension of that word. Depuis la partie expérimentale. And somebody else with the same word. Et quelqu'un d'autre avec la même parole. Understands that word intellectually. Il va la comprendre de façon intellectuelle. The brain. Avec le cerveau. The mind. Avec l'esprit. That's how the word is. C'est comme ça que la parole est. Now listen. Maintenant écoutez. So when the word is spoken, donc quand la parole est parlée, it goes with spirit. Cela va avec des esprits. It vibrates. Et ça vibre. You are sitting there. Vous êtes assis là. You hear the word. Vous entendez la parole. But your body is not vibrating. Mais votre corps ne vibre pas. Because your body vibrates. Parce que votre corps vibre. When you feel. Quand vous sentez. Every time you feel, à chaque fois que vous sentez, you are vibrating. C'est parce que vous vibrez. So my mom said, donc, madame dit, you are in a meeting, vous êtes dans une réunion, and you feel the chill. Et vous sentez les frissons. He said, et il dit, he said, stand up, il dit, tenez-vous, debout, shout and hola, et criez hola. Say, I am healed. Dites, je suis guéri. What he's telling you is, ce qu'il vous dit est, your body, you feel it, votre corps l'a senti, because your body is vibrating, parce que votre corps a vibré, at the frequency, à la fréquence. Of that word. De cette parole. That means supernaturally. Ça veut dire que de façon surnaturelle. Your body is connected. Votre corps a été connecté. To the experiential dimension. À la dimension expérimentale. Of that word. De cette parole. Just like Elijah. Comme Élie. He just saw the cloud like a man's. Il a juste vu une nuée comme une main d'homme. Then he said, "Go tell Ahab." Maintenant il a dit, va dire à Akab. I hear the sound of abundance of rain. Oh, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Prophets, les prophètes, are constantly vibrating. Vibrent constamment, de façon constante. Because they are constantly moved. Parce qu'ils bougent constamment. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit.
Holy men, we are moved. Seuls les hommes qui sont en mouvement. Like I come to meetings here. Quand je viens dans les réunions ici. My soul tells me something. Mon esprit, mon âme me dit quelque but chose. But I also listen. Mais j'écoute aussi. To my body. Mon corps. What I feel. Ce que je sens. I feel the vibrations je of the spirit. Je sens les vibrations de l'esprit. If there's any energy here. S'il y a une énergie ici. I'll feel it. Je vais le sentir. My body will tell me. Mon corps me dira. Then I will say. Maintenant je vais le dire. The Holy Spirit is here. Que le Saint-Esprit est là. Because the Holy Ghost is here. Parce que le Saint-Esprit est là. Vibrating. Et il vibre. But my body mais mon corps must be tuned. Doit être entraîné. That is why c'est la raison pour laquelle you need to be anointed all the time. Vous devez être oint tout le temps. Every service, à chaque réunion, when you feel the anointing, quand vous sentez l'onction, train your body cela entraîne votre corps to respond pour répondre to the anointing. À l'onction. When you do that, quand vous faites cela, your body is tuning. Votre corps est en train de se parler to the anointing. À l'onction. To the anointing. À l'onction. After a while, après un moment, your body understands. Votre corps comprend. The presence of the Holy la Ghost. Présence du Saint-Esprit. If the Holy Ghost comes to the meeting, si le Saint-Esprit vient dans la réunion, you will know. Vous le saurez. You will feel different. Vous allez sentir différemment. You will feel something vous allez different. Sentir quelque chose de différent. Begin to walk around. Quelque chose qui bouge là. Maybe somebody next to you. À côté de vous. Does not feel anything. Ne peut pas sentir la chose. But your body is vibrating. Votre corps commence à vibrer. That vibration. Cette vibration. That vibration. Cette vibration. Is your body connecting? Et votre corps qui se connecte. To the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. That's why you are here. C'est comme ça que vous êtes guéri. These things are happening to you. Ces choses vous arrivent. But you lack knowledge. Mais vous manquez de connaissance. That's why I'm here. C'est la raison pour laquelle je suis ici. To open your understanding. Pour ouvrir votre entendement. So you can maximize. Pour que vous puissiez maximiser. These experiences. Cette expérience. These experiences. Cette expérience. Are not for naught. Ne sont pas pour rien. Every service you feel the power. Tous les services vous sentez la puissance. No, it's not a game. Ce n'est pas un jeu. It's not fun. Ce n'est pas pour rien. It is God teaching your body. C'est Dieu entraînant how to understand the anointing. Comment comprendre l'onction? And the more your body is anointed, et plus votre corps est oué, the more the body gets tuned. Maintenant, votre corps devient plus comment on appelle ça? Il est formé, il s'habitue. Merci. Pouvez vous asseoir. If you don't know this thing, si vous ne savez pas ces choses, you can't test the spirit. Vous ne pouvez pas tester l'esprit. Now, this is what men of the spirit know that you don't know. Ce sont les choses que les hommes de l'esprit savent que vous ne savez pas. You might know the doctrine. Vous pouvez connaître la doctrine. But you don't know the spirit. Mais vous ne connaissez pas l'esprit. Most preachers, la plupart des prédicateurs, they know the word. Ils connaissent la parole. They don't know the spirit. Mais ils ne connaissent pas l'esprit. They don't even know when the spirit is around. Ils ne savent même pas quand l'esprit est là. You must learn the ways of the spirit. Vous devez apprendre les voies de l'esprit. I told you, it's to prepare you for the next meeting. Je dis que c'est pour vous préparer pour les prochaines réunions. Because I walk in the spirit. Parce que moi, je marche dans l'esprit et je travaille dans l'esprit. Yes, sir. Vous pouvez vous asseoir. I don't really want to excite me now. Just understand. Je veux pas que vous soyez juste excité. Je veux que vous puissiez comprendre. Because if you understand, parce que si vous comprenez, everything becomes easy. Tout devient facile. Now we have few men today that understand the spirit. Maintenant, il y a peu de personnes ici aujourd'hui qui comprennent l'esprit. We spend time to understand the word. Et nous dépensons beaucoup de temps à comprendre la parole. But not the spirit. Mais pas l'esprit. Now, but the Coleman fought. Maintenant, frère Coleman a combattu. To bring the spirit to the word. Pour ramener l'esprit de la parole. Fought to understand the spirit. D'abord comprendre l'esprit. Because the Branham. Parce que frère Branham. Was a man of the word. Était un homme de la parole. And spirit. Et de l'esprit. Amen. Now, if I stand here now, how can I be telling you things except by the spirit? Si je me tiens ici, comment est-ce que je peux vous dire des choses si ce n'est que par l'esprit? So once we enter into the spirit. Donc quand vous entrez dans l'esprit. Even as quiet as you are, même si vous n'êtes pas nombreux, you can pick the waves of the spirit. Vous pouvez prendre la parole depuis l'esprit. There are times when we can shout. Il y a des gens où on peut crier, même si vous êtes calme. But no spirit. Mais il n'y a pas d'esprit. And the ways of the spirit are the ways of the prophets. Et les voies de l'esprit sont les voies des prophètes. So as you preach the word, donc pendant que vous prêchez la parole,
We wait for the Spirit. Nous nous attendons à l'Esprit. The vibrations of the Spirit. Aux vibrations de l'Esprit. As I'm talking to you now, the Spirit can begin to vibrate. Pendant que je me tiens ici, je vous parle, y a l'Esprit vibre. Before even you start screaming, avant même que vous ne commenciez à crier, I could have seen it on you. Je peux le voir sur vous. And you won't even know. Et vous-même, vous ne le saurez pas. Except I tell you. Jusqu'à ce que je vous le dise. Why? Pourquoi? Because your body. Parce que votre corps. Is not vibrating. Ne vibre pas. That's why we must bring this message for the body. C'est la raison pour laquelle nous devons envoyer le message du corps. Madame c'est coming through this room right now. Frère Madame dit, coming through this room right now. Donc Frère Madame dit que en venant au travers de cette salle maintenant, our voices, il y a des voix, images, des images, coming through here, angels, qui entrent ici, des anges. But we cannot see. Mais vous ne pouvons pas les voir. Just like the TV set. Comme la télévision. Your TV is an instrument. Votre télévision est un instrument. In your house. Dans votre maison. It doesn't manufacture the pictures. Il ne fabrique pas l'image. It's only download the pictures. Il ne fait que télécharger l'image. The images are already there. L'image est toujours là. But they build a crystal. Mais ils construisent un cristal. To bring it down. Pour le faire descendre. Then you see. Pour que vous puissiez le voir. So what is in the spirit? Donc ce qui est dans l'esprit, you are able to see. Vous êtes capable de le voir by a television. Par une télévision. So the television. Donc la télévision becomes an eye. Devient un œil. Becomes an eye. Devient un œil. That helps you see. Qui vous aide à voir. What you could not have seen. Ce que vous ne pourriez pas voir. If there was no TV set. S'il n'y avait pas de télévision. I know you know these things in the message. Je sais que vous savez ces choses dans le message. But I am making them real. Mais je vais les rendre réels. These are things of the spirit. Ce sont les choses de l'esprit. Abraham said, "Why is it like that?" Frère Branham dit pourquoi c'est ainsi. Elijah, Élie, doesn't need a TV. N'a pas eu besoin de télévision. But he said Elijah had a TV in his own Mais day. Il dit que Élie avait une télévision dans ses jours. Because Elijah had vision. Parce que Élie avait des visions. We have television. Nous avons la télévision. The television is lower than the vision. La télévision est basse que la vision. The television is a set. La télévision est juste un appareillage. But it helps you to see Mais what you couldn't see. Cela vous aide à voir ce que vous ne pouvez pas voir. The pictures are there. Les images sont là. But you cannot see them. Mais vous ne pouvez pas les voir. Without the help. Sans l'aide. Of the television. De la télévision. Holy Ghost is here. Le Saint-Esprit est là. Angels are here. Les anges sont là. But you cannot see them. Mais vous ne pouvez pas les voir. Without the help. Sans l'aide. Of a vision. De la vision. Come on, Ivory Coast. Allons-y, Côte d'Ivoire. This is my first meeting. Ça, c'est ma première réunion. I want to load you with the Spirit. Je veux vous charger dans l'esprit. Now listen. Écoutez. Asseyez-vous. Now the Pentecostals have spent years to teach the people on the Spirit. Maintenant, les Pentecôtistes sont passés des années à enseigner des gens dans le domaine de l'esprit. We have not done that. Nous n'avons pas encore fait cela. I'm honest with you. Je suis honnête avec vous. That's what I've learned over the years. Ce que j'ai appris pendant toutes ces années. I've seen ministers preach. I know when they preach, the Holy Ghost is come. Je sais, j'ai vu les prédicateurs prêcher. Je sais quand ils prêchent que le Saint-Esprit vient. And the preacher does not know. Et même le prédicateur lui-même ne sait pas. And he will quench the Holy Spirit. Et he will quench. Kill the Holy Ghost. Il va tuer, il va chasser le Saint-Esprit. Paul says quench not the Spirit. Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit. You must learn the ways of the Spirit. Vous devez apprendre les voies de l'Esprit. But because our bodies. Frère Branham dit parce que nos corps are not yet tuned. Ne sont pas vraiment au format. So your bodies have to be tuned. Donc notre corps doit être formaté. Like you tune a radio. Comme vous calibrer. Ouais, vous calibrez la radio. The waves are here. Les vagues sont ici. But you have to tune the radio. Mais vous devez faire le calibrage. The set is laying there. Équalisé. But if you don't tune it, la chaîne est là, mais si vous ne l'équalisez pas. You cannot catch the waves. Vous ne pouvez pas capter les vagues. You have the sets. Vous avez la chaîne. But you cannot hear anything. Mais vous ne pouvez rien entendre. The set is good. La chaîne est bonne. But it has to be tuned. Mais cela doit être équalisé. Our body must be tuned. Parce que Frère Branham dit que notre corps doit être formaté, équalisé. Now how can the Branham hold somebody's hand like this? Comment Frère Branham peut tenir la main de quelqu'un comme ça?
With his body, he can know. Avec son corps, il peut savoir. What is wrong with you? Ce qui ne va pas avec vous. That's how tuned his body was. C'est comme ça que son corps était calibré to spirits. Aux esprits. We have missed that. Nous avons manqué cela. In the message. Dans le message. But when the third pool comes, mais quand le troisième pool vient, the fivefold minister, le quintuple ministère, will not just have the word. Ils n'auront pas seulement la parole. He must be a man of the spirit. Il doit être un homme de l'esprit. Because in the third phase, parce que c'est la troisième phase. It is word and spirit c'est together. Parole et esprit ensemble. So no demon can hide. Donc pour qu'aucun démon ne puisse se cacher. Because you can walk in the spirit. Parce que vous pouvez œuvrer dans l'esprit. But you must be taught the ways of the spirit. Mais vous devez être enseigné des voies de l'esprit. So now this body you have, donc ce soir, ce corps que vous avez, has five senses. Look at your body now, five senses. Regardez le corps que vous avez, il a cinq sens. I'll close very soon. Je vais terminer bientôt. Adam's body, le corps d'Adam, was so much in tune with the earth. Adam's body, le corps d'Adam, was so much in tune with the earth. Était tellement en adéquation avec la terre. Watch the mystery. Regardez le mystère. God created Adam's spirit. Dieu a créé Adam en tant qu'un esprit. He came and formed a man. Il est venu former ensuite un homme. From the earth. Depuis la terre. God was communicating with the earth. Dieu communiquait avec la terre. Let the earth bring forth. Que la terre produise. 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 And the earth brought forth a man. Et la terre a produit un homme. And God didn't create anything again above the man. Et Dieu n'a pas créé quelque chose au-dessus de l'homme. The earthly man, l'homme terrestre, according to Corinthians, he bears the image of the earthly. Corinthiens porte l'image terrestre. So Adam in the flesh, donc Adam dans la chair, in his body, dans son corps, was representing the earth. Représentait la terre. That's why Jesus had to come back in his flesh. Jésus devait venir dans la chair. To represent the earth. Pour représenter la terre. So when the Holy Ghost came on Jesus, donc quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, comme Madame dit, that was God redeeming, c'était Dieu rachetant that part of the earth. Cette partie de la terre. So Christ in the flesh is donc, flesh, is flesh. Christ dans la chair est chair. Was the earth. De la terre. So the earth produced the image of a man. Donc la terre a produit l'image d'un homme. And the heavens also produced the image of a man. Et le ciel aussi a produit l'image d'un homme. And God brought the heavens and the earth together. Et Dieu a rassemblé le ciel et la terre ensemble. That's the harmony. Ça c'est l'harmonie. So Adam's spirit from heaven. Donc l'esprit d'Adam du ciel came on the earth est venu sur la terre and connected et s'est connecté with Adam's earthly body. Avec le corps terrestre d'Adam. That was the unity. C'était l'unité. So the things in heaven can flow freely down to the earth. Pour que les choses du ciel puissent couler librement sur la terre. And that harmony was broken. Et cette harmonie a été brisée. Separation. Il y a une séparation. We call that sin. Et cela a fait appeler le péché. Okay, I'll do that in my next message. Et dans mes prochains messages, But Jesus came back to restore back the harmony. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer l'harmonie. So in Gethsemane, en Gethsemane, he stood there as the earth. Il s'est tenu là sur la terre. Genesis 2:7, l'homme de Genèse 2. Earthly man. Un homme terrestre. Stood there. Il s'est tenu là. Word made flesh. La parole faite chair. Then the heavens opened up. Et le ciel s'est ouvert. Down came the dove. Ainsi est venue la colombe. That was God bringing back the union. C'était Dieu qui ramenait l'union. The harmony. L'harmonie. The unity. L'unité. The heavens and the earth. Entre le ciel et la terre. It is a marriage. C'est un mariage. That is a mystery as well. C'était le mystère aussi. In itself. En lui-même. So you sit here all donc tonight. Vous êtes ici assis ici ce soir. You represent the earth. Vous êtes représenté la terre. In your flesh. Dans votre chair. This earth. Cette terre is constantly vibrating. Vibre constamment. Elijah, Élie, was one man. Était un homme that had a ministry. Qui avait un ministère. Over the element of nature. Sur les éléments de la nature. Glory à Dieu. That's dominion. Ça c'est la domination. Why am I bringing this? Pourquoi est-ce que j'apporte ceci? For healing. Pour la guérison. And God has to redeem your body. Et Dieu doit racheter votre âme. And redeem the earth. Votre corps, du moins, il rachète la terre. For dominion. Pour la domination. And why must pay attention to your body now? Et pourquoi est-ce qu'on doit prêter attention à votre corps maintenant? Because your body was what bear the greater branch of sin. Parce que votre corps est ce qui a porté la plus grosse partie du péché. So this is not just about being excited. Being excited, no.
It goes beyond that. Ce n'est pas juste de l'excitation, ça va au-delà de cela. You need some level of consciousness. Vous avez besoin d'un niveau de conscience to understand your body, pour comprendre votre corps, so you can present your body as a living sacrifice. Pour que vous puissiez présenter votre corps comme un sacrifice vivant. When I'm done this weekend, ce que je vais faire dans ce weekend, your body will lose appetite to sin. Appétit du péché. We have not put effort on the body. Nous n'avons pas encore mis assez d'emphase sur le corps. This body you have now, ce corps que vous avez maintenant, is called hybrid. Est appelé hybride. Your body holds a memory. Votre corps détient une mémoire. Of all the sins that's been committed. De tous les péchés que vous avez commis. That is why you all belong to bloodlines. C'est la raison pour laquelle vous appartenez tous à des lignées sanguines. Certain sicknesses you have now. Il y a certaines maladies que vous avez. They are bloodline issues. Ce sont des problèmes consanguins. Your father had diabetes. Votre père avait le diabète. It runs through your blood. Et cela vient au travers de votre sang. Your family has a certain temperament. Et si votre famille a un tempérament, it runs through your blood. Cela aussi vient au travers de votre sang. You have certain weaknesses. Vous avez certaines faiblesses. Runs through your family. Cela rentre dans la vie de votre famille. My God. Now, maintenant, everything you are doing now, tout ce que vous faites maintenant, is not you. Ce n'est pas vous. You inherited a body. Vous avez hérité d'un corps. That still holds memory. Qui détient toujours une mémoire. Of what your great great grandfather did. De ce que vos arrière grands-pères ont fait. My God. Science has even proven. La science a même prouvé. That if you have diabetes que si or cancer, le diabète ou le cancer, 90% chances is that it runs through your bloodline. 99% de chances que cela vienne au travers de votre sang, de votre ligne sanguine. That's why even though God may have forgiven you, c'est la raison pour laquelle même si Dieu vous aurait pardonné quelque chose, you see, but your body can't your body can't forget. Votre corps ne peut pas oublier. Your body still remembers. Votre corps se rappelle toujours. What adultery is. Ce que l'adultère est. So the urges you feel in your body, the urge, the desires, the urge, the lust. So la convoitise que vous sentez dans votre corps. It's just your body reminding you. C'est juste votre corps qui vous rappelle. Yes, sir. Of sin. De péché, le péché. Paul calls that the motions of sin. Paul a appelé cela les œuvres de la chair. So, for God to forget your sin. Maintenant, pour que Dieu puisse pardonner votre péché, oublier votre péché, part of what you will do in forgiveness, dans la plupart des choses qu'il fera dans le pardon, is to give you a new body. C'est de vous donner un nouveau corps. Because this body, donc ce corps, will always remember, va toujours se rappeler, the sins of your bloodline. Les péchés de votre lignée sanguine. If you have diabetes now, si vous avez le diabète maintenant. Your body is only reminding you. Votre corps ne fait que vous rappeler. That your great grandfather had diabetes. Que votre arrière grand-père avait le diabète. So if you go to a doctor. Donc si vous allez chez un médecin. The doctor will ask you. Il va vous demander. Is this sickness common in your family? Est-ce que cette maladie existe dans votre famille? You said okay, yes, my grandfather had it. Oui, mon grand-père l'avait. They will ask you to understand. You have to live with it. Que vous devez vivre avec cela, que vous devez comprendre. Because cela. It runs through your blood. Parce que cela vient au travers de votre sang. Your body is only reminding votre you. Corps ne fait que vous rappeler. Of a sickness your great grandfather had. D'une maladie que votre arrière grand-père avait. And that goes for every sin. Et cela va avec tout péché. Sex, all these immoral sins. Tous ces péchés immoraux, le sexe. It's your body reminding c'est you. Votre corps qui vous rappelle. Of what Adam did. Ce que Adam a fait. My God. How does that stop? Comment cela peut s'arrêter? God has a plan. Dieu a un plan. Now this is not going to shout now. Now when you shout now, maintenant the revelation. Maintenant now. Quand vous criez, il y a la révélation. Now I said, listen, you cut it now. J'ai dit écoutez. You understand it now? Si vous comprenez maintenant. You see that? Pouvez-vous asseoir. So nobody here. Donc aucune personne ici. Has a good bloodline. A une bonne ligne sanguine. Our bloodlines are all messed up. Notre lignée sanguine est déjà mélangée et embrouillée. That's the natural section of your life. Ça c'est la partie naturelle de votre section de vie. But God has something great for you. Mais Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. My God. What do you call it? Qu'est-ce que vous l'appelez? Comment est-ce que vous l'appelez?
He will change your body. Il va changer votre corps. Now, the change of body maintenant, le changement du corps goes with the change of name. Vient avec le changement de nom. Just like Abraham, comme Abraham. Abraham. Il était Abraham. Abraham, Abraham was the old man. Était un homme vieux. Abraham, Abraham was the 18 years old man. Était un homme de 18 ans. God, Dieu, adopted, a adopté Abraham's body. Le corps d'Abraham. God gave Abraham's body. Dieu a donné au corps d'Abraham. His own name. Son propre nom. Ham. Ham. Abraham. Abraham. 18 years. 18 ans. From Sarai to Sarah. De Sarai à Sarah. So the change of name came with the change of body. Donc le changement du nom vient avec le changement du corps. No change with the soul. Pas le changement de l'âme. Change of name. Le changement du nom came with the change of body. Vient avec le changement du corps. So when your name changes, donc quand votre nom change, your body changes. Votre corps change. So in this message, dans ce message, there's a promise. Il y a une promesse. For a new body. Un nouveau corps. That new body. Ce nouveau corps. In that body. Dans ce corps. Your body can't remember sin anymore. Votre corps ne peut plus se rappeler du péché. So all the weaknesses in your bloodline. Toutes les faiblesses dans votre lignée sanguine. When God changes your body. Quand Dieu change votre corps. Changes your name. Et qu'il change votre nom. He adopts your body. Il adopte votre corps. The new body. Le nouveau corps. Can't remember sin. Ne peut plus se rappeler du péché. It can't remember sickness. Il ne peut plus se rappeler de la maladie. You are perfectly healed. Vous êtes parfaitement guéri. God now comes. Maintenant Dieu vient maintenant. And takes away all the evil. Et il en retire tout le mal. Charity comes down. La charité descend. All that is wrong. Tout ce qui est faux. Is taken away. Est retranché. A new body. Un nouveau corps. A new name. Un nouveau nom. So tell somebody. Dites à quelqu'un. That my new name. Que mon nouveau nom. Is a new body. Est un nouveau corps. That's my next message. Ça c'est mon message prochain. Alléluia. Tell somebody. Dis à quelqu'un. My new name. Mon nouveau nom. Is my new body. Et mon nouveau corps. A body. Un corps. That can't remember sin. Qui ne peut pas se rappeler du a péché. A body. Un corps. That can't remember. Qui ne peut pas se rappeler. My past life. Ma vie passée. A body. Un corps. That can't remember. Qui ne peut pas se rappeler. What my grandfather did. Ce que mon arrière-grand-père fait. Is a new body. C'est un nouveau corps. Change. Changer. That is your promise. C'est votre promesse. Alléluia. Gloria a Dios. And this season, et dans cette saison, God, Dieu, will start giving us a sign. Va commencer à me donner un signe. That indeed, qu'en réalité, we have a body. Nous avons un corps. A new body. Un nouveau corps. That cannot sin. Qui ne peut pas pécher. That can't be sick. Qui peut pas être malade. Divine healing. La guérison is divine. The honest elle, of the resurrection. Elles sont les armes de la résurrection du corps racheté. So this season, dans cette saison, God, Dieu, will come on your body. Va venir sur votre corps. And your body will forget. Et votre corps va oublier. That there's cancer in your bloodline. Il y a le cancer dans votre lignée sanguine. Cancer will disappear. Le cancer disparaîtra. Diabetes will disappear. Le diabète disparaîtra. Even the doctors. Même les docteurs. They can't find one trace. Ils ne pourront plus trouver une trace. It is possible. C'est possible. Do you believe that? Est-ce que vous croyez cela? This weekend. Dans ce weekend. I have faith. J'ai la foi. For divine healing. Pour la guérison divine. As a sign. Comme un signe. Of the redeemed body. Du corps racheté. You shall not die. Vous n'allez pas mourir. Let me close out now before we go. Laissez-moi terminer. Alléluia. So the new name. Donc le nouveau nom. Came with a new body. Vient avec le nouveau corps. That's why the body is important. C'est la raison pour laquelle le corps est important. Everything is all going towards the body. Tout maintenant se tourne vers le corps. Thank God for the soul message. Merci pour le message du for the spirit message. Pour le message de l'esprit. It's not time for the body. Maintenant c'est le temps pour le this corps. This body also needs redemption. Ce corps aussi a besoin d'être racheté. This is your body time. Ça c'est le temps de votre corps. Are you hearing me today? Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? So the body change. Non, le changement du corps. Name change. Le nom change. Let me close for a few minutes. Laissez-moi terminer dans quelques minutes. So we have just seen the sign. Donc nous avons juste vu un signe. When God adopts the body. Quand Dieu adopte le corps. What did God do to Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? How did God deal with his body? Comment Dieu a-t-il traité avec son corps? Not his soul, but the body. Pas son âme, mais son corps. Listen. Écoutez.
Abraham believed. Abraham croyait. The Bible says staggered, not the promise. La Bible dit qu'il n'a même pas chancelé par incrédulité. But his body. Mais son corps. When Elohim came. Quand Elohim est venu. Why did he doubt? Pourquoi est-ce qu'il a douté? He said this body. Il dit ce corps. I'm now old. Il dit maintenant je suis vieux. And I have no pleasure in my wife. Et je n'ai plus de plaisir avec ma femme. How can this happen? Comment cela peut arriver? So it wasn't Abraham's soul that was talking. Donc c'était pas l'âme d'Abraham qui parlait. It was his body. C'était son corps. The body was saying, le corps disait, I'm so old. Que je suis tellement vieux. All the hormones are dead. Toutes les hormones sont déjà mortes. I don't even have any more pleasure in my wife. Je n'ai même plus même de plaisir avec ma femme. How is this possible? Comment cela est-il possible? That is why God spared him. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a repris. That unbelief, à cause de cette incrédulité, didn't come from the soul. Cela ne venait pas de l'âme. Came from his body. Cela venait de son corps. And God knew now he had to adopt his et body. Dieu savait maintenant qu'il devait adopter son corps. What did God do? Qu'est-ce que Dieu a fait? God had to reverse Abraham. Dieu devait ramener Abraham. Abraham met Elohim. Abraham a rencontré Elohim. When he was say 100 years old. Quand il avait 100 years old. Quand il avait 100 ans. And Sarah was 90 years old. Et Sarah avait 90 ans. And God reversed age. Et Dieu a reversé son âge. What was God doing? Qu'est-ce que Dieu faisait? God was reversing time. Dieu est en train de ramener le temps. Are you with me now? Oh, glory! My that's God, that's amazing. Ça c'est très, c'est étonnant. God reversed time. Dieu a ramené le temps. From 100 years old to let's say 18. Depuis 100 ans jusqu'à 18 ans. Now, chronologically. Maintenant, de façon chronologique. He was 100 years old. Il avait 100 ans. Now, in chronos time. Maintenant, selon le chronographe, le chronomètre. 100 years old. Il avait 100 ans. But in real time. Mais dans le temps réel. He was 18 years old. Il avait 18 ans. That's your think about it. Pensez à cela. Oh God. Now listen. Maintenant écoutez. I know this goes out in the hookup, but it's challenging. Je sais que ces choses-là, c'est comme un défi. Because the ministers think, well. Parce que les ministres pensent que bien. I'm following Julian. Que je suis Julian. This is not Julian. Ça c'est pas Julian. This is a hidden mystery. Ça c'est un mystère caché. Now you think of it. Now in chronos time maintenant, says. Selon le chronomètre. I'm not 60 something years old. Je suis un homme de 60 ans. Now, what if God now comes and compresses and reduces it? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si Dieu vient et qu'il le réduit? Now, you didn't even know me when I was 18 years old. Maintenant, vous ici, vous ne me connaissez pas quand j'avais 18 ans. At the age of 18, I was handsome. Et à l'âge de 18 ans, j'étais vraiment très beau. Now listen. Maintenant, écoutez. What happens if I go back to 18? Qu'est-ce qui va arriver si je retourne à 18 ans? How many people know me? Combien d'entre vous ici me connaîtront, me reconnaîtront? My God. Chronos will say I'm 60 something, but real time. Donc le chronomètre dira que j'ai 60 ans, mais le réel temps. Now so watch. Maintenant observez. Here was Abraham. Voici Abraham. And Sarah. Et Sarah. Changed. Ils ont été changés. Right? Ok. Back to 18 years old. Ils se sont de retour à 18 ans. They didn't just look like they were when they were 18. They didn't just look like when they were 18. Ils ne ressemblaient pas juste à comment ils étaient quand ils avaient 18 ans. God now came back and did some editing. Dieu est venu et il a fait des corrections. He took some things out. Des modifications et il a retranché certaines choses. Because he had to fix up the body. Parce qu'il devait corriger le corps. This is your body message now. Ça c'est le message de votre corps maintenant. This is what God will do for you. C'est ce que Dieu fera pour vous. In this meeting. Dans cette réunion. Anything in your body. Tout ce qui est dans votre corps. That ought not to be there. Qui ne doit pas être là. Melchizedek. Melchizedek. Talk it out.
va commencer à le faire sortir. Block it out. Il va le faire sortir. Block it out. Il va le faire sortir. Block it out. Le faire sortir. Block it out. Le faire sortir. You believe it, say amen to that. Si vous le croyez, dites amen ce soir. If you believe that, shout amen. Si vous le croyez, criez amen. Let me see that. Pour vous asseoir. Hosanna. Hosanna. This ministry here, ce ministère ici, the whole world should hear me. Le monde entier va m'écouter. God is raising a ministry. Dieu est en train de lever un ministère. That will start the immortality. Il va commencer l'immortalité. In this message, dans ce message, I say so. Je le dis ainsi. By faith, par la foi. God is raising up. Dieu est en train de lever a generation. Une génération. Is raising up. Il est en train de lever a ministry. Un ministère. That will stop the devil. Qui va stopper le diable. That will stop death. Qui va stopper la mort. That will stop sickness. Qui va stopper la maladie. And start up the immortality. Et ils vont commencer l'immortalité. Before the rupture. Avant l'enlèvement. You are not going to the rupture. Vous n'allez pas être dans l'enlèvement. With polio. Avec la polio. With cancer. Avec le cancer. With diabetes. Avec le diabète. No. Non. You are going to the rupture. Vous allez dans l'enlèvement. Complete. Totalement. No old age. Et vous ne serez plus vieux. No cancer. Pas de cancer. No death. Pas the de last mort. Enemy. Le dernier ennemi. That shall be destroyed. Qui sera détruit. Is death. C'est la mort. Before the rupture. Avant l'enlèvement. I said before the rupture. Avant l'enlèvement. You better get ready for it. You better believe it. Vous devez le croire. You better get ready for it. Vous devez être prêt pour cela. As you leave here tonight, quand vous allez quitter ici ce soir, look at your body. Regardez votre corps. Hi. Yes. God is raising a people. Dieu est en train d'élever un peuple. In Ivory Coast. En Côte d'Ivoire. God is raising a generation. Dieu élève une génération. In this message. Sur ce message. Now start preaching. Qui vont commencer à prêcher. Immortality. L'immortalité. Hey! And oh. I am one of them. Et je suis l'un d'entre eux. I am one je of them. Je suis l'un d'entre eux. I am one je of them. Je suis l'un d'entre eux. I shall not je die. Je ne mourrai pas. Signs. Signs. Les signes. Wonders. Les prodiges. Miracles. Les miracles. Are going to start to take place. Vont commencer à prendre place. Then this world will know. Et le monde entier saura. That we have met a prophet. Que nous avons rencontré un prophète. The Pentecostals will know. Les Pentecôtistes sauront. That we have met a prophet. Que nous avons rencontré un prophète. Signs, wonders, les signes, les prodiges, miracles, les miracles. You have not seen power yet. Vous n'avez pas encore vu la puissance. But the Branham says. Que Branham dit. You have not seen power vous yet. Vous n'avez pas encore vu la puissance. There is a power coming. Il y a une puissance qui vient. There is a power coming. Il y a une puissance qui vient. We are starting now. Nous nous tenons là. The power. La puissance. Of immortality. De l'immortalité. You can be here. Vous pouvez être guéri. You can be here. Vous pouvez être guéri. Demon power. Toutes les puissances démoniaques that sit on your body. Qui sont dans votre corps. I said tonight. Je dis ce soir. I said tonight. Je dis ce soir. That by the voice of the archangel. Par la voix de l'archange. Every demon. Tous les démons. That sit on your body. Dans votre corps. They must leave ils now. Ils doivent partir maintenant. They must leave ils now. Ils doivent partir maintenant. Look at your body. Regardez votre corps. The pain is going. La douleur disparaît. The fibroid is going. Le fibrome disparaît. The growth is disappearing. La goutte disparaît. Healing power. La puissance de la guérison. The healer. Elle est là. You shall become the vous healer. Allez devenir la guérison, le guérisseur. Glory to God. Hallelujah. There's something moving. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. There's something going. Il y a quelque chose qui arrive là. God has found a people. Dieu a trouvé un peuple. He's found some people. Dieu a trouvé un peuple. In Ivory Coast. En Côte d'Ivoire. God. Dieu. Has opened the door. A ouvert la porte. Has opened the portal. Il a ouvert le portail. For immortality. Pour l'immortalité. That is why. C'est la raison pour laquelle. You begin to see. Vous avez commencé à voir. The dead in Christ. Les morts en Christ. In this meeting. When you see that. The dead in Christ. The door. Of immortality is open up the power. Yes, my brother. Glory to God. Power of the Holy Ghost. Oh, la the Holy Ghost is here le now. Saint-Esprit est ici maintenant. Immortality is here now. L'immortalité est ici. The Spirit of God is here now. L'Esprit de Dieu est ici maintenant. Immortality. L'immortalité. You are here. Vous êtes guéri. Power. La puissance. This church, de cette église, God, Dieu, I told you 2 years ago deux années en arrière, that
I saw God opening portals. Je ne vois Dieu ouvrir des portails. Immortal beings. Les êtres immortels. The spirit. L'esprit. Of just men. Des hommes. Made perfect. Qui sont rendus parfaits. When those beings. Quand ces êtres. Begin to blend. Commencent à fusionner. With you. Avec vous. This is what. C'est la raison. 2011. En 2011. Was supposed to be about. Devait être. 2011, 2011 was supposed to be a blending de fusion of mortal and immortality. Entre l'immortel et le mortel. Well, now it is here. C'est ici. It is open door. C'est la porte ouverte. Portals opening up. Les portails s'ouvrent. Let me finish quickly now. Laisse-moi terminer rapidement. I feel the anointing here. Je sens l'onction maintenant. I feel the Holy Spirit. Je sens le Saint-Esprit. God is giving a sign. Dieu donne un signe. I can see that. Oh, je peux le voir. My body is not moving. Mon corps commence à bouger. I'm not vibrating. Oh, je commence à vibrer. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Immortal. Les êtres immortels. Immortal beings. Les êtres immortels. The spirit. Alleluia. Of just men made perfect. The time has come. Le temps est venu. The season has come. La saison est arrivée. This is your season. C'est votre saison. This is your time. C'est votre temps. Don't go back home. Ne retournez pas à la maison. With any sickness. Avec une maladie. With a Branham. Frère Branham. Is here. Est ici. With a Coleman. Frère Coleman. Is here. Est ici. I'm not ashamed to say. Je n'ai pas peur de le dire. I'm not ashamed to Je say. Je n'ai pas peur de le dire. Immortal beings. Les êtres immortels. Elijah is here. Jeremiah is here. Glory be to God. They are here right now. Il est ici maintenant. To heal your body. Pour guérir votre corps. Abraham is here. Abraham est ici. Immortality. 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 It's back. Ouais, de retour. Oh my God. What a vibration! Quelle vibration! Can't you feel it? Est-ce que vous pouvez le sentir? I can feel it. Je peux le sentir. Can't you feel the vibration? Est-ce que vous sentez la vibration? It's not me. Ce n'est pas moi. Immortal beings. Les êtres immortels. I told you Ivory Coast. Je vous l'ai dit Côte d'Ivoire. 2 years ago. 2 années en arrière. I saw a portal open. J'ai vu des portails s'ouvrir. And the Branham said. Le Branham dit. In the resurrection. Dans la résurrection. I will walk. Je marcherai. Into a perfect church. Dans une église parfaite. Before the rapture. Avant l'enlèvement. It can start today. Commencer aujourd'hui in Ivory Coast, en Côte d'Ivoire. We are not out of the message. Nous ne sommes pas en dehors du message. We are in the message. Nous sommes dans le message. I'm looking for Branham. Je regarde Frère Branham. Hey, hey. I'm looking. Je m'attends. For Brother Coleman. Pour Frère Coleman. I'm looking. Je m'attends. For Paul. À Paul. I'm looking. Je m'attends. The first layer. Autour les. Of the dynamics. C'est la dynamique. Immortality. Immortalité. Blending. Fusionnant. With mortality. Avec la mortalité. Then we shall be changed. Maintenant nous serons changés. Let me close all quickly. Laissez-moi terminer rapidement. Amen. We are not playing games. Nous ne jouons pas un jeu. And you better believe. Vous devez croire. Don't you doubt. Ne doutez pas. This is not just a message. Ce n'est pas juste un message. There's a reality. Il y a une réalité. To confirm it. Pour confirmer. In the mouth of 2-3 witnesses. Sur la base de la déclaration de ton droit. What de are main. You waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? Immortal beings. Les êtres immortels. Alléluia. When Paul says. Paul a dit. This mortality. Ce mortel. Will put on immortality. Va revêtir l'immortalité. My next message. Mon message prochain. We shall deal with the immortality. Nous allons traiter avec l'immortalité. Not eternity. Pas l'éternité. Immortality. L'immortalité. It's a blending. C'est une fusion. I hope I don't know. J'espère, je ne sais pas. But I hope it has not started. Mais je sais que peut-être que ça n'a pas commencé. In Ivory Coast. Ça peut commencer en Côte d'Ivoire. That immortality. Et l'immortalité. Is blending in here maintenant now. Ça commence à fusionner. Jesus. Jesus. Lift up your hands right now. Levez les mains maintenant. Levez les mains maintenant. Can't you feel the atmosphere? Est-ce que vous pouvez pas sentir l'atmosphère? There's something here now. Il y a quelque chose ici maintenant. Father, open their eyes. Seigneur, ouvre leurs yeux. God, open their eyes. Seigneur, ouvre leurs yeux. That we may know that we are not alone. Pour qu'ils comprennent que nous ne sommes plus seuls. We are surrounded. Nous sommes environnés. Worship him right now. Commencez à l'adorer maintenant.
Right now, somebody's getting healed. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri. You came here with pain over your body. Vous êtes venu avec une douleur dans votre corps. The pain is leaving you now. La douleur vous quitte maintenant. Hey! Come on, Ivy, because yes, power. La puissance. Beings of the immortals. Essaie de l'immortel. I because you are ready. The blending is here now. La fusion est ici maintenant. Don't be ashamed. N'ayez pas honte. Don't be afraid. Ne soyez pas effrayé. God loves you. Je vous aime. We know where we are going. Nous savons où nous allons. Baptizing somebody with the Holy Ghost. Oh, glory! Lights are all over the whole place. Oh, il y a des lumières dans l'endroit. Lights. Il y a des lumières. Oh, yes. I feel the energy. Oh, the sun energy of the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. Thank you, Lord. Oh, yes. Let it flow.
of heaven, let it rain. Jesus, let it rain. Of you that felt a touch tonight. Vous, ceux d'entre vous qui ont senti une touche ce soir. I'm so connected with you. Je suis maintenant connecté avec vous. I feel the way you feel right now. Je sens la façon dont vous sentez maintenant. And once I feel this way, et quand je me sens ainsi, I cannot leave the pulpit. Je ne peux pas quitter la chaire. Your healing, votre guérison, is blending with you now. Commence à fusionner avec vous maintenant. A work of redemption through healing une œuvre is going on right now. À travers la guérison est en train de se passer maintenant. Can feel it. Vous pouvez le sentir.